Alors, bonsoir à vous tous et toutes. Bienvenue à cette séance du conseil municipal, la numéro 28 du 16 novembre. Alors, on va donc procéder à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour qui a subi quelques modifications. Donc, on va devancer le point 6.1.12. Pour la présentation de l'œuvre d'art numérique suite au choix du jury. Alors, tout de suite après l'adoption de l'ordre du jour, on va donc avoir cette présentation-là. Ensuite, il y a un retrait à 13.3.2 parce qu'on l'a vu en comité plénier public et ça ne nécessite pas là, une résolution du conseil municipal. Et enfin, on a deux retraits, le 16.1.2 et le 16.1.3, qui sont tout simplement pas inscrits au bon endroit dans l'ordre du jour et il faut tout simplement les basculer à 16.2.2 et 16.2.3 à la rubrique adoption de règlement et non pas dans la rubrique avis de règlement. C'est tout pour les modifications. Pardon? Madame la Présidente, je vais faire la proposition de l'ordre du jour avec les modifications. On va l'appuyer. Alors, appuyé par M. Havard et proposé par M. Marc Deneau. Alors, on serait donc à la présentation. Je vais céder la parole brièvement à M. Paul Jeanne. Merci, Madame la Présidente. Donc, en juin 2019, un concours d'intégration d'une œuvre d'art public numérique à la halte des pionniers de la rue Wellington-Nord a été lancée par la Division de la culture. Le jury du concours s'est tenu le 26 août 2020. Alors, parmi les trois finalistes, le projet sélectionné par le jury est celui de l'artiste Julien Robert Legault-Salvaille. Concernant les possibles complications en lien avec la maintenance de l'œuvre, il a été expliqué que l'œuvre en art actuel Sporobol, expert en art numérique, sera impliquée dès le départ dans la réalisation de l'œuvre ainsi que dans son installation et qu'il sera en mesure d'en assurer la maintenance. Alors ça, c'est un gros plus. Sporobol est un organisme de Sherbrooke. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Nathalie Fortin, chef de la Division de la culture au niveau de la Commission des arts visuels. Madame Fortin? Oui, bonjour. En fait, je me permets quand même de dire que je ne me donnerai pas le titre de chef, je vais être agente professionnelle. Ça va donner une augmentation, là. Oui, c'est ça. essentiellement, ce qu'il faut comprendre, cette œuvre-là, oui, c'est une œuvre d'art numérique, donc c'est une première dans notre collection d'œuvres d'art. Elle a la particularité d'être interactive et évolutive, c'est-à-dire qu'à travers les saisons et l'époque sur une année, bien, elle va pouvoir se modifier et les passants vont pouvoir en avoir une expérience différente à chaque fois. Alors, ça, c'est ce qui la rend particulièrement intéressante. L'œuvre « Le flot », le titre de l'œuvre, c'est « Le flot », est inspiré des rivières. On connaît l'importance des cours d'eau, des rivières pour Sherbrooke. Donc, en ce sens-là, l'œuvre représente en fait une rivière généré par ordinateur, là, qui est projeté avec un projecteur donc sur le sol de la halte des pionniers. Cette rivière coule depuis la falaise, disons, vers la rue Wellington. Et sur cette rivière, il va y avoir des petits objets, des bateaux l'été, par exemple, et selon les moments de l'année, ça pourra varier, des feuilles mortes, etc. Il va y avoir de la glace aussi, évidemment, l'hiver. Donc, les passants sont invités à aller dans la halte des pionniers, sur la halte, et puis à interagir avec les objets, avec caméra thermique. Il va y avoir deux possibilités, en fait, deux façons d'interagir avec l'œuvre, soit physiquement, carrément avec les objets, l'œuvre, l'eau va pouvoir bouger,
simulé, évidemment, là, évidemment. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir une interactivité par le biais d'une application, pas une application, mais une interface web, pardon. Donc, il va y avoir un panneau interprétatif au début, à l'entrée, puis les gens vont pouvoir savoir comment faire pour aller, par exemple, sélectionner des objets et jouer, autrement dit, intervenir dans l'œuvre. Alors, c'est dans ce sens-là que si on veut, l'œuvre demeure vraiment une expérience là, en tant que telle. Si vous avez quelques secondes, j'ai une maquette que je peux vous présenter. Évidemment, ça ne donnera pas l'effet exact de ce que l'œuvre va être, ce n'est qu'un prototype, mais quelques secondes, il y a une composante musicale aussi ou sonore qui est là-dedans, parce que quand les gens vont être là, ils vont interagir avec les objets. Quand il y a des chocs, par exemple, donc il va y avoir des composantes un petit peu d'eau, d'objets aussi. Donc, je vais tenter la chose de vous partager l'écran tout de suite. Voyez-vous? Hop! Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, oui, okay. On la voit. Donc, c'est un segment que j'ai sélectionné là. Donc, les bateaux, les personnes, évidemment, qui sont là vont pouvoir faire bouger l'eau. Il va y avoir aussi des projecteurs qui vont pouvoir faire des reflets sur la falaise comme telle. C'est quand même, évidemment, un aperçu. Ça ne donne pas à la hauteur de ce que l'œuvre va être, mais ça vous donne un petit aperçu, un peu saccadé, il faut le dire. Je suis désolée, là, je n'ai pas l'ordinateur de l'artiste et son programme là. Donc, je vais m'arrêter ici. Là, c'était pour vous donner juste un petit aperçu. Voilà. Je pourrais m'arrêter ici. Je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a d'autres aspects que vous aimeriez entendre. Est-ce qu'il y avait des questions pour Mme Fortin avant qu'elle nous quitte? Puis on va adopter de toute façon, approuver le tout quand on sera rendu au point 6.1, point 12 là, de l'agenda de ce soir. Mais s'il y avait des questions de clarification pour Mme Fortin, puisqu'elle est présente là, parmi nous, je permettrai des questions à ce moment-ci. Votre question, vous avez été suffisamment claire, Mme Fortin. Voilà. Oui. Madame la Présidente, à part M. Jung et moi qui étions présents, Madame Fortin également, il y avait d'autres personnes qui étaient présentes sur ce jury-là, peut-être les nommer? Oui, bien sûr. OK, j'ai pas ma liste devant moi, je vais essayer de pas en oublier. Mais donc, il y a un artiste professionnel qui était M. Luc Saint-Jacques, une historienne de l'art qui est Mme Suzanne Pressé, Mme Suzanne Bergeron qui travaille au service de planification et gestion du territoire, donc qui est urbaniste, designer. Il y a bien sûr, attendez-moi une petite seconde, Mme Annick Baudouin qui est représentante des usagers, mais aussi des commerçants, là, du centre-ville. Il y avait, mon Dieu, vous me prenez de court. Attendez, là. Bien, évidemment, il y avait Éric Desmarais comme observateur. Il n'était pas juge, mais il pouvait évidemment répondre aux questions très techniques qui pouvaient survenir. Représentant, bien, outre vous deux, les élus, comme vous l'avez dit, Mme L'Espérance, M. Jean, Mme L'Espérance, il y avait Isabelle qui était aussi, Isabelle côté de l'arrondissement des Nations. Axel, il y avait Destination Sherbrooke, du moins au départ, parce que le jury est en deux temps. À un moment donné, il n'a pas pu être là pour la deuxième partie de la sélection, là, si on veut. Là. Mais il a aussi été présent pour la sélection des artistes finalistes. Là. Je pense que j'en oublie pas. Il faut dire aussi qu'on a eu trois excellentes présentations. Il y a vraiment du potentiel. Il s'agit d'une première pour la ville de Sherbrooke, de l'art numérique. Ça va être une première, c'est bien situé. Et dans ce cas-ci, je mentionnais tout à l'heure que l'entretien, aussi le fait que c'est Sporobol qui supervise
et qui entretient et qui va faire les tests nécessaires. C'est un gros plus pour la ville de Sherbrooke et pour cette première. Puis, si je pourrais rajouter juste un petit quelque chose, Madame la Présidente, c'est que ça ne devait pas non plus interférer sur les œuvres de M. Barbeau, l'artiste Barbeau, parce qu'à la Halle des Pionniers, on a des œuvres de cet artiste-là. Et ça devait aussi intégrer la falaise qui est à l'arrière, donc intégrer l'ensemble du lieu. Alors, il y avait quand même plusieurs contraintes qui ont été brillamment réussies au niveau des trois artistes, d'ailleurs. J'aurais peut-être une question, Madame la Présidente. Est-ce que Mme Fortin, vous pourriez nous faire parvenir la vidéo qui nous donnerait peut-être une meilleure idée là, aux élus? Oui, bien sûr. Je peux vous envoyer ça. Je vais voir la meilleure stratégie parce que c'est très lourd. Oui. je vais voir ça demain avec les communications. Merci. Les TI. Très apprécié, merci. Pas de problème. Alors, si ça fait le tour, ben, je vous remercie, Mme Fortin, et je vous remercie, M. Larougerie. Et on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. On va poursuivre notre agenda. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Alors, on va donc passer au procès-verbaux en commençant par celui du conseil municipal du 9 novembre. Je propose. Madame Berthold. Je l'appuie, Madame la Présidente. Appuyée par Monsieur Rémi Demers. Les procès-verbaux du comité exécutif en commençant par celui du 27 octobre. Propose. Madame L'Espérance, appuyée par Madame Berthold, et le procès-verbal du 3 novembre. Je propose. Et j'appuie. Madame Berthold, appuyée par Madame Chantal L'Espérance. Les corporations, comités et groupes de travail en commençant par le comité de l'environnement, le procès-verbal du 5 mai. Je vais proposer, Madame la Présidente. Madame Karine Godbout, appuyée par M. Julien Lachance. Le procès-verbal du comité de la culture du 25 septembre. Je propose. M. Paul Jeng, appuyé par Mme Chantal L'Espérance. La corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke, le procès-verbal du 30 septembre. Je le propose. M. Claude Charron. Je l'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par M. Marc Deneau. Destination Sherbrooke, les procès-verbaux, c'est-à-dire du 25 juin et du 9 juillet. Je propose. Je l'appuie, Madame L'Espérance, appuyée par M. Rémi Demers. Nous en serions maintenant donc à la période de questions des personnes, des citoyens et citoyennes de Sherbrooke. Alors, comme à son habitude, M. Louis Gosselin est avec nous ce soir, avec sa boucle, lui aussi, pour les circonstances. Et vous allez donc procéder à la lecture de chacune des questions. Naturellement, ça doit être des questions d'intérêt municipal. Je vais être la personne qui va y répondre. Normalement, ça doit rentrer dans un délai de 3 minutes et les gens ont 2 minutes, c'est-à-dire ont 2 questions. On a droit à 2 questions chacun ou chacune. Et ce n'est pas une période de débat ou d'échange, mais bien une période de questions. Alors, sans plus tarder, M. Gosselin, je vous cède la parole. Bonsoir. Nous avons 6 intervenants et intervenantes ce soir pour les questions. La première question nous vient de Alexandre Corriveau de l'arrondissement de Brampton, Rockforest, Saint-Élie-Deauville. Bonsoir à vous tous. Mon nom est Alexandre Corriveau. Je suis résident de la rue Dionne dans Brampton. Nous sommes plusieurs à remarquer la forte croissance de notre quartier. Avec la venue de la nouvelle rue Gisèle Trudeau et le prolongement de la rue Joseph-Aymon, il semble plutôt juste de parler d'environ 50 nouvelles habitations. Le quartier est déjà occupé en majeure partie de jeunes familles. Il semble plutôt évident que le nouveau quartier vise aussi le même type d'habitants.
Brampton bénéficie déjà d'une très belle piscine municipale, mais comme elle est du côté ouest de la rivière, elle n'est pas très accessible à notre quartier. Le parc Ernest Bergeron est un excellent endroit facile d'accès, sécuritaire et bénéficiant de beaucoup d'espaces libres. L'ajout de jeux d'eau y serait facilement envisageable. Ceux-ci nécessitent peu d'entretien, sont coûteux qu'une piscine en surveillance et font un excellent travail pour amuser les jeunes enfants. Serait-il possible d'envisager de faire l'installation de jeux d'eau dans le parc Ernest Bergeron à Brampton? Merci pour votre question. Donc, je présume que dans votre question, il y avait le mot « moins » qui aurait dû s'y retrouver. Donc, les jeux d'eau sont moins coûteux que la construction d'une piscine. Alors, vous savez que la Ville, depuis 2015, travaille à la réfection de ses installations aquatiques vieillissantes. C'est ce qui fait que les piscines suivantes que je vais vous énumérer ont été complètement remises à neuf, c'est-à-dire celles du parc Saint-Alphonse, le parc Andrew-Sangster, le parc Saint-Élie-du-Frêne et le parc Centennial, si ma mémoire est bonne, dès l'an dernier. Mais il nous reste quand même encore 7 piscines sur lesquelles il va falloir que la Ville intervienne dans les prochaines années. Pour le secteur de Brampton, notre piscine a été construite en 2011, donc elle est quand même relativement récente. Je vous dirais que c'est la seule, à ce que je pense, qui est même chauffée. Étant donné qu'elle est relativement récente, il n'y a pas d'investissement prévu à court terme au niveau aquatique dans le district de Brampton, puis on ne pense pas qu'elle va avoir besoin de réfection non plus là, à très court terme. Enfin, c'est ce qu'on souhaite. Par contre, au niveau des jeux d'eau, à certains endroits, effectivement, à la demande du milieu, ça pourrait arriver que les jeux d'eau remplacent une piscine qui serait en fin de vie utile. Ce sera donc aux élus de prendre cette décision-là. Et il est possible également de voir apparaître de nouveaux jeux d'eau si la densification du secteur ou d'un secteur ou la présence d'îlots de chaleur, par exemple, le justifiait. Cependant, il n'y a pas de jeux d'eau qui sont prévus à court terme dans le secteur du parc Ernest Bergeron. Et j'avais moi-même, dans la tournée des parcs, adressé la question à M. Luc Dumoulin. Et il semblait que ce serait même difficile de pouvoir le faire compte tenu de l'espace restreint qui reste suite à l'implantation des modules de jeu, terrain de soccer et le bâtiment de service là, qui a été construit très récemment aussi. Mais c'est quelque chose qui pourra être regardé là, dans les années futures, dépendamment du développement. Alors, je vous remercie pour la question. La deuxième question nous vient de M. Rémi Martin de l'arrondissement de Brampton-Roqueforest-Saint-Élie-d'Auville. Bonjour, membre du conseil municipal. Je crois représenter un bon nombre de citoyens en vous demandant s'il serait possible qu'il y ait un projet d'aménagement de parc à chiens dans le parc central à Roqueforest. Le quartier est rempli de familles qui ont des amis à quatre pattes et pourtant aucun service n'est présent dans le quartier. La construction d'un parc à chiens au parc central ne ferait que des heureux car cela offrirait un endroit dédié sécuritaire où les chiens pourront s'amuser ensemble. De plus, le parc est très grand. Il serait facile d'insérer un parc à chiens sans empiéter sur les autres activités présentes au parc central. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Donc, les élus de notre arrondissement sont bien au fait qu'il y a une demande effectivement pour un parc canin dans le secteur de Roqueforest-Saint-Élie-d'Auville. J'exclus Brampton puisque au moment où on était un arrondissement, nous avons fait construire effectivement, installer là, un parc canin. Il est important aussi de rappeler que les parcs canins ne sont pas nécessairement ce qu'on appelle des infrastructures de proximité. Et normalement, elles sont mises en place dans le but de desservir une clientèle beaucoup plus large que celle à l'échelle d'un quartier. C'est aussi important que les parcs canins soient isolés car ils peuvent créer des nuisances là, pour les résidents à proximité. Donc, l'administration m'indique que le parc central avait déjà fait l'objet d'une évaluation pour recevoir ce type d'installation. Et à ce moment-là, ça n'avait pas été retenu par les services et les élus parce que
le secteur entre la rue Président Kennedy et le chalet, là, il y avait la présence, qui est toujours le cas, de résidences à proximité, c'est-à-dire à moins de 150 mètres. Et donc, ça pouvait nuire à la quiétude des résidents. Et également, dans le secteur entre le chalet et le boulevard Bourque, ce secteur-là est ciblé pour l'aménagement de futures infrastructures sportives. Je vous rassure cependant que les réflexions vont se poursuivre au niveau d'un parc canin. D'ailleurs, ça fait deux fois qu'on reporte le sujet par faute de temps, mais on va y arriver là, dans une prochaine rencontre avec tous les élus. Et ce sera possible justement d'avoir une orientation en lien avec cette question-là et aussi en lien avec d'autres besoins qui ont été identifiés par d'autres arrondissements. Monsieur le conseiller Pierre Tremblay, qui est le conseiller du district, donnera également son point de vue là-dessus dans son message à la fin de la séance du conseil. La prochaine question nous vient de Leslie Donahue de l'arrondissement de Brampton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. À qui de droit? Par la présente, nous désirons faire suite à une conversation que nous avons eue avec M. Pierre Tremblay concernant notre préoccupation de l'état de la rue des Riverains. En effet, les résidents de cette rue trouvent déplorable et dangereux l'état de la chaussée qui est à ce point tellement détérioré que des blocs d'asphalte se détachent, créant ainsi des trous qui sont devenus impossibles à éviter tant ils sont nombreux. Quand survient la fonte des neiges suite au déblaiement de l'hiver, il est assez surprenant de voir les amoncellements de morceaux d'asphalte qui se retrouvent en bordure de la rue, d'où le fait qu'il en reste beaucoup moins sur la chaussée. Il semble illogique que des budgets soient déployés pour paver des pistes cyclables alors que cette rue est en très mauvais état depuis plusieurs années déjà. Comme plusieurs de ces cyclistes empruntent notre rue, ils ne se gênent pas pour nous partager leurs commentaires à l'effet qu'il est risqué d'y circuler tellement il y a des crevasses et de trous, d'où les dangers de chute et de blessures. Les résidents qui payent de gros montants en taxes s'attendent à pouvoir rouler sur une rue qui n'est pas en décrépitude. Vous trouverez ci-joint la signature des résidents avec le montant de taxes correspondant à leur propriété. Vous serez donc à même de constater que l'état de la rue ne reflète absolument pas les sommes investies par ses contribuables. Il y a plus de 20 ans que cette rue a été asphaltée et depuis, malgré son piteux état, on a droit à quelques pelletées d'asphalte sèche pour boucher quelques trous, procédé qui ne dure jamais longtemps et qui doit tout de même comporter des coûts en personnel au cours des ans. Et en personnel, dis-je bien, et en déplacement d'équipement à quelques reprises durant l'année. Donc, pourquoi ne pas bien faire le travail une bonne fois pour toutes de façon sensée? Ce serait là le reflet d'un milieu de vie sécuritaire pour les citoyens et d'une ville responsable pour nos élus. Nous tenons à vous remercier pour l'attention portée à cet avis et nous osons croire qu'une réponse favorable nous sera acheminée dans les meilleurs délais. Les citoyens et résidents de la rue des Riverains. Merci pour votre question. Donc, le rapport de sculptation pour l'ensemble des tronçons de rue de la ville de Sherbrooke a été effectué en 2017. Le programme d'intervention sur le réseau s'appuie sur ce rapport-là en fonction d'une grille de priorisation qui est présentée aux élus pour prioriser justement les rues qu'ils souhaitent faire à l'intérieur de cette grille de priorisation-là. Malheureusement, pour 2021, la rue des Riverains ne fait pas partie des priorités pour le programme d'intervention. Par contre, pour les questions de sécurité, des interventions ponctuelles peuvent continuer à être effectuées par les équipes d'entretien et voirie. Dans ce sens-là, les citoyens et citoyennes sont invités à prévenir nos services en adressant une requête au 821-5858. Je voudrais aussi ajouter que les services effectuent une nouvelle auscultation du réseau qui sera complétée d'ici la fin de l'année, ce qui va nous permettre de réviser les priorités d'intervention sur l'ensemble du territoire. Et cette étude-là va être présentée ainsi que le programme d'intervention actualisé en fonction de ce nouveau rapport-là devrait être présenté à tous les élus au printemps 2021. Puis c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on pourrait voir si cette rue-là pourrait être priorisée. Encore là, sur cette question-là,
le conseiller Pierre Tremblay du district qui est concerné prendra soin de vous donner son point de vue à la période de message des conseillers à la fin de la séance. La prochaine question vient de Marie-Claude Thibodeau de l'arrondissement des Nations. Par la présente lettre, je tiens à vous faire part de mon inquiétude à l'égard des problèmes de circulation engendrés par le développement du secteur Prospect Lionel Groulx et Monseigneur Fortier. Le 25 février 2019, les citoyens du district du Golfe et ceux du district du Carrefour étaient invités à une consultation publique sur les modifications concernant le projet de développement du plateau McRae. Lors de cette soirée, plusieurs personnes ont fait part de leur désaccord à augmenter le nombre de portes du projet en mentionnant, entre autres, les problèmes de circulation que cela engendrerait. L'urbaniste de la ville ainsi que celui du groupe Custo nous ont affirmé qu'il n'y aurait pas de problème car le boulevard Lionel Groulx serait doublé. Or, dans un article du journal La Tribune du 22 septembre 2020, nous apprenions qu'il y avait des risques de congestion majeure sur Portland et Lionel Groulx à long terme. Je me questionne donc sur l'expertise des urbanistes de la ville et sur le fonctionnement du service de la planification et d'aménagement du territoire. Comment se fait-il que de simples citoyens aient envisagé des problèmes de circulation alors que le service de la ville responsable de la planification n'en voyait pas? Maintenant, ce sont les citoyens du secteur qui devront vivre avec les conséquences de l'acceptation aux demandes du promoteur. Puis, dernièrement, nous apprenions une fois de plus dans le journal La Tribune du 4 octobre que le promoteur immobilier Groupe Custo demandait encore un changement de zonage pour effectuer un projet résidentiel au coin du boulevard Lionel Groulx et Jean de la Fontaine. Un tel projet résidentiel ou tout autre dans ce secteur serait absurde compte tenu des problèmes de circulation qui se pointent à l'horizon. Les problèmes de circulation qui se répercuteront sur les artères des environs sont inquiétants. Il serait important que les élus de Sherbrooke se penchent sérieusement sur la question afin d'émettre des recommandations visant à amoindrir les impacts engendrés par le plateau McRae, celui du plateau Saint-Joseph et tout autre projet dans ce secteur. Je crois qu'en 2020, il est grand temps de revoir les priorités et les règlements de planification urbaine de Sherbrooke pour le bien-être de ses citoyens et de l'environnement. Marie-Claude Thibodeau, citoyenne du district du Carrefour. Merci pour votre question, Mme Thibodeau. Donc, d'entrée de jeu, des études de circulation ont été réalisées et des pistes de solutions aux problèmes de circulation anticipées ont été suggérées aux élus à plusieurs reprises, et ce, depuis mars 2019. Les résultats de ces études-là ont permis de dégager des solutions à court terme, à moyen et à long terme, de sorte qu'on doive cadencer les investissements de la ville de Sherbrooke parce que les budgets ne sont pas illimités, comme vous vous en doutez bien. À l'été 2021, un feu de circulation va être ajouté à l'intersection de Lionel Groulx et Laure Conant et la programmation des feux de circulation au coin Portland et Lionel Groulx sera aussi optimisée. D'autres interventions à moyen terme d'ici 5 ans, donc, seront réalisées. Et le service des infrastructures urbaines continuera de suivre l'évolution de la circulation et adaptera ses interventions en conséquence. Notons également, finalement, que la vision de développement de la ville change l'ordre de priorité de nos conceptions routières. Parce que si on se rappelle, en 1980 ou dans les années 80, on mettait le véhicule automobile en premier plan, tandis qu'en 2020, nous plaçons le transport actif en premier en donnant la place aux usagers plus vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les personnes à mobilité réduite. Vient ensuite le transport en commun et finalement l'automobile. Donc, l'espace public est revu de sorte que chaque usager ait sa place tout en ayant en tête l'environnement, bien entendu, en lien avec la réduction des îlots de chaleur et des gaz à effet de serre, l'augmentation de la verdure, etc. Et aussi afin d'inciter plus de gens à utiliser d'autres modes de transport que l'automobile. Par conséquent, des mesures structurelles et réglementaires doivent être mises en place afin de changer le paradigme du tout à l'auto. Madame la Présidente, est-ce que, puisque c'est dans mon district, est-ce que je peux juste le texte? Bien, vous le ferez comme le conseiller Tremblay à la fin dans votre message de conseillère. OK, mais en tout cas, d'habitude, quand c'est dans notre district, c'est une nouvelle règle pour depuis aujourd'hui? Parce que d'habitude, quand c'est dans notre district, on peut... En fait, tout à l'heure, je ne sais pas, vous étiez peut-être absente là, quand je l'ai expliqué, parce que ce que j'ai expliqué, c'est que en principe,
la question m'est adressée, je réponds. Et s'il y a besoin de clarification, je peux donner la parole, mais sinon, c'est plus à la période des messages des conseillers. Sinon, si tous les conseillers interviennent à la période de questions, je le dis dès le départ, ce n'est pas une période d'échange et de débat. Et M. Tremblay a accepté tout à l'heure. Non, mais je comprends, mais dans le cas précis qui nous concerne, c'est pour donner une information supplémentaire par rapport à la question, puis c'est pour un enjeu directement qui est dans mon district. Je ne sais pas si... J'aimerais bien savoir quelle est l'information supplémentaire que vous possédez et que les services ne possèdent pas. Bien, voulez-vous que je le dise? Ça va être plus simple. Bien, est-ce que vous avez écouté la réponse aussi? Oui, j'ai écouté. Donc, il y a une information supplémentaire. OK, oui, ça va se limiter à ça. Parfait. L'information supplémentaire, c'est que les élus de l'arrondissement des Nations, dans lequel est situé le développement du plateau Saint-Joseph et plateau McCree, sont bien au courant de ça et ont demandé à nos services de tenir une rencontre d'information pour répondre aux questions nombreuses de Madame, comme celle de Madame Thibodeau et aux autres questions qu'on reçoit abondamment par rapport au développement qu'il y a dans ce secteur-là. Donc, on est en train d'essayer de voir avec nos services pour tenir cette rencontre-là, une rencontre d'information par rapport au développement du secteur. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a une ouverture des services, alors il faudra peut-être avoir l'appui de plus d'élus, notamment du maire de Sherbrooke, afin qu'on puisse tenir cette rencontre-là. Prochaine question, M. Gosselin. Prochaine question qui est toute courte, elle nous vient de M. Ernesto Galeano. Quel est le coût d'une carte d'autobus? L'information est facilement accessible sur le site web de la STS. Puis la STF peut être également jointe à un numéro, là, mais peut-être que M. Deneau, vous avez l'information. Si vous ne l'avez pas, ben effectivement, j'inviterai M. Ernesto Galeano à communiquer avec la STS, parce que vous n'avez peut-être pas cette information-là. Oui, je vais y apporter de la main, Madame la Présidente. Allez-y. Lors du dernier conseil. On ne vous entend pas, M. Deneau. Oui, son micro. Votre micro. C'est un petit problème avec mon ordinateur. Merci beaucoup. C'est quoi la réponse à cette question-là? Ça ne fonctionne pas. OK. Regardez, j'ai aussi... Je crois que ça fonctionne. Oui, là, ça fonctionne. Il y a des problèmes de connexion, mais c'est une des premières fois que ça arrive. Je voudrais dire cependant aux citoyens qui adressent des questions aussi précises que ça, de le faire auprès de la STS, parce que c'est vraiment eux qui sont responsables de donner ce genre d'informations-là et surtout de se gouverner en lien avec la tarification et tout autre aspect opérationnel. Donc, voilà le message que je passe là, aux citoyens quand vous venez adresser une question à la STS. De la STS, bien, ce serait plus simple de l'adresser à la STS directement. Alors, allez-y, M. Deneau, à titre de président de la STS. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le 10 novembre dernier, le conseil d'administration de la STS, qui est composé de M. Pierre Tremblay comme vice-président, Mme L'Espérance, Mme Baudin et M. Havard, qui sont membres du conseil municipal. Aussi, on a deux membres citoyens. On a adopté la tarification pour 2021. Donc, aujourd'hui, on peut même annoncer le tarif actuel et celui qui va être en vigueur à partir du 1er janvier. Le titre de passage, qui est le passage simple, était à 3,30 $. Il reste à 3,30 $. Donc, pour une quatrième année consécutive, il n'y a pas de hausse du laissez-passer simple. Titre une journée CPO, la carte d'un jour, c'est 10,75 $, ça passe à 10,85 $, une augmentation de 0,93 %. Le titre mensuel familial qui était à 92,50 $ augmente à 93,40 $, une augmentation de 0,97 %. Le titre mensuel régulier, qui est justement le sujet de la question de monsieur, était à 80,80 $, il y a une hausse de 80 $, qui fait 81,60 $.
pour une augmentation de 0,99%. Et le dernier titre mensuel réduit, était à 61,20, monte à 61,60, pour une hausse de 60 sous pour 0,98. Si on prend la hausse totale des tarifs pour les usagers du transport commun, ça représente 0,82% d'augmentation, qui est des plus raisonnables. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question, M. Gosselin. Et ce sera la dernière. Elle nous vient de M. Denis Pellerin de l'arrondissement des Nations. Concernant la sortie de Marc Deneau et Paul Jingue à propos de Bitfarms, M. Deneau était absent à la séance du 23 septembre 2019 de l'arrondissement des Nations, où une douzaine de personnes étaient venues se plaindre du bruit dégagé par Bitfarms. Mais un mois plus tard, à la séance du 28 octobre 2019, il était présent. Une dizaine de personnes, pas toutes les mêmes, sont venues se plaindre pour la même raison. La Ville eut tout le temps pendant un an de procéder à toutes les études sonores nécessaires, de jour, de nuit, l'été comme l'hiver. Là n'est pas le problème. On apprend que le comité exécutif a pris des engagements envers la compagnie Backbone Hosting Solutions Inc., filiale de Bitfarms. En effet, la Ville, je cite, « s'engage à conserver confidentielle l'information partagée, remet à l'autre partie ou détruit l'information confidentielle lorsqu'elle aura terminé son évaluation, s'engage à ne pas alléguer ou produire en preuve cette information, prend tout autre engagement nécessaire au maintien de la confidentialité de l'information partagée. » C'est ce qu'on apprend par la résolution CE 2020-0743-00 de la séance de l'exécutif du 20 octobre dernier. Question. Les membres du conseil municipal étaient-ils au courant de cette décision avant que l'exécutif ne s'engage à ne pas divulguer l'information aux citoyens lésés, au ministère de l'Environnement ou au conseil municipal, même devant un tribunal en cas de poursuite? Et à quoi sert de payer pour des études si on ne divulgue pas les résultats, même aux élus? Merci, M. Gosselin. Donc, merci pour la question. Les fonctionnaires impliqués dans ce dossier-là ont fréquemment fait des rapports confidentiels de l'avancement de cette affaire-là aux élus. Le dossier n'a pas été traité de façon publique par les membres du conseil municipal. Nous ne pouvons donc pas répondre publiquement à ces questions-là sans contrevenir à la confidentialité des échanges entourant les règles du huis clos. Qui plus est, nous ne voulons pas nuire aux négociations qui ont présentement cours avec Bitfarm afin de trouver une issue hors cours à cette affaire. Et donc, aucune réponse ne peut donc être donnée à ces deux questions. Alors, Monsieur Gosselin, vous n'avez pas d'autres questions? Non, c'est terminé, Madame la Présidente. Parfait. Avec le bordereau de la correspondance. Monsieur Julien Madame. Lachance, appuyé je vais par... Avec, par moi, par le maire, et j'ai... Oui. Appuyé par M. le maire. M. le maire, un commentaire? Oui, certainement. On a reçu de l'Office des personnes handicapées du Québec quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'analyse du plan d'action 2020 à l'égard des personnes handicapées que nous avons déposée. Dans la correspondance qu'on a eue, l'Office a pris connaissance avec intérêt des nombreuses réalisations que Sherbrooke a fait en 2019 et ont souligné bon, l'installation d'abribus qui est accessible au centre-ville. La pose de garde-corps aussi au promontoire permettant aux personnes handicapées de participer de façon sécuritaire aux événements extérieurs au parc Jacques-Cartier, où on avait fait également une conférence de presse où quelques élus étaient là, dont Mme L'Espérance, Mme Baudin. Et enfin, le réaménagement aussi de l'entrée de la Société d'histoire de Sherbrooke. Alors, il nous demande de poursuivre nos efforts. C'est ce qu'on fait également avec les services. Et j'en profite aussi pour dire que le 3 décembre prochain sera la Journée internationale des personnes handicapées. Alors, c'est afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Une Journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992 par les Nations unies. Et cette année, c'est le 3 décembre prochain qu'on aura évidemment cette journée-là. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame Baudin. Oui, j'avais prévu aussi parler de cette lettre-là. C'est correct que M. le maire l'ait fait. Je vais juste compléter. En fait,
Parmi les mesures qui ont été saluées par l'Office des personnes handicapées relativement à notre plan d'action, il y a notamment la mesure qui consiste à soutenir davantage les organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes handicapées, surtout en contexte de pandémie où leur offre de services peut être menacée. Ils ont aussi salué le fait qu'on va désormais inscrire l'accessibilité dans nos critères d'appel d'offres pour nos équipements. Alors ça, c'est une excellente nouvelle, puis on est heureux que ça ait été souligné. Dans la lettre, ils nomment aussi, ils proposent en fait de nommer un élu ou une élue pour porter le dossier des personnes handicapées. Bon, évidemment, c'est un peu une tâche qui m'est revenue par défaut en tant que présidente du comité de développement social et communautaire, puisque on a le sous-comité des personnes handicapées, mais peut-être que ça pourrait valoir la peine d'officialiser cette nomination-là, ou bien si on veut nommer quelqu'un d'autre qui veut travailler avec moi sur le dossier des personnes handicapées, ça me fera plaisir. Et également, il mentionnait que notre plan d'action n'était pas mis sur le site Internet, mais Mme Boutin, directrice générale adjointe, vient de nous aviser que ça a été fait cet après-midi, donc ça a déjà été corrigé. Et il nous invite également à avoir des communications les plus accessibles possibles, donc voir est-ce qu'on devrait parfois avoir de l'interprétation, du sous-titrage, des médaillons, des messages qui sont de façon générale plus inclusifs. Et aussi, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils voient bien qu'à Sherbrooke, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de travaux de construction, de réfection qui s'en viennent. Ce qu'ils nous disent, c'est est-ce que ce serait possible quand on fait des travaux de systématiquement aménager des corridors de contournement temporaire, la signalisation, installer des barrières de protection de hauteur moyenne et de couleur contrastante afin de sécuriser nos aménagements pour les personnes handicapées. Alors, voilà pour ça. Et on est bien heureux que notre plan ait été bien accueilli. Et rappelons que l'objectif, c'est que le prochain plan d'action ou l'autre, je pense que c'est l'autre d'après, soit un plan d'action intégré avec les personnes âgées et on l'espère peut-être aussi avec d'autres groupes. Merci. Les dossiers du comité exécutif, en commençant par le 91-38-78-11, Québec Inc., immeuble structure incorporée, servitude d'aqueduc et d'égout sanitaire dans le secteur du plateau Saint-Joseph. Je peux proposer. Madame Baudin. Madame Baudin, appuyée par Madame L'Espérance. Le plan d'effectifs et l'évolution des postes permanents, les statistiques de remplacement de ces postes et la liste des personnes embauchées pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. Je vais proposer. Je propose. Madame Chantal L'Espérance, appuyée par Vincent Boutin. Par M. Vincent Boutin. Négociation de convention collective. Je vais proposer. Je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Donc, M. Pierre Havard propose, appuyé par M. le maire. Je fais un commentaire, Madame la Présidente. M. Lachance. Oui. Alors, on voit que c'est la deuxième convention qui d'importance là, qui est signée dans le présent mandat. Et, je suis en faveur. Puis, ceci dit, c'est pas parce que je suis le président du conseil de direction hydro, c'est pas parce que l'on a donné à un autre groupe de telles conditions qu'on doit le donner au suivant. Alors, je pense que les choses évoluent. Et comme je vous dis, j'ai été dissident lors de la première convention, parce que je trouvais qu'on y allait un peu fort, que je voulais qu'on lève le pied. Puis, c'est pas parce que non plus Hydro-Québec donne des conditions exceptionnelles. Il y a une raison pour laquelle je donne mon accord, c'est parce qu'il me semble important de récompenser la performance. Puis, là-dessus, je m'explique un peu avec des chiffres. Puis, je vous ai revenu souvent, j'essaie de regarder sur une assez longue période de temps.
l'évolution, puis on pourrait le prendre sur une plus, plus courte si on voudrait, mais je pense qu'on retrouverait à peu près la même. On serait dans les mêmes eaux. Mais quand je prends le budget de 2002, puis je le compare à celui de 2020, par exemple, le budget de la ville, le budget de dépenses, a passé de 155 millions à 337 millions. Donc, c'est une croissance de 117 %. Si je prends juste l'inflation plus la croissance de la population, on devrait être à 53 %. Donc, on est au double à peu près. Puis il y a plusieurs raisons à ça, mais je vais entrer là-dedans. Quand on regarde Hydro-Sherbrooke, là, je prends seulement les dépenses d'opération. Alors, les dépenses, je prends pas, c'est pas les profits, là. Je prends les dépenses d'opération qu'il y a dans chaque service de la ville. On a des postes de dépenses d'opération. Et aussi, Hydro-Sherbrooke a connu la même croissance en termes de population ou d'inflation. Mais on passe d'un budget d'indépendance d'opération de 11,5 à 15,8 millions. C'est plus 37 %. C'est même moins que l'inflation croissance qui est à 53 %. Alors, puis aussi, je veux dire qu'au premier mandat, on avait engagé un consultant externe parce qu'on s'était posé la question, Hydro-Sherbrooke, est-ce qu'on fait des bons profits, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en faire plus? Puis on va regarder, voir, évaluer la productivité dans ce service-là. M. Vachon, qui était directeur à l'époque, nous avait ouvert les bras, dire oui, venez voir. Et le consultant était allé, il avait une bonne expertise, et il nous avait dit non, il y a une belle, la productivité est bonne chez Hydro-Sherbrooke, alors il n'y avait pas une... On n'a pas dénoté qu'il y avait un laxisme au niveau des dépenses à ce moment-là. Et malgré ça, à travers toutes les années qui ont continué, on a réussi à limiter la croissance des dépenses. Alors, ça se fait... Bon, la direction y est pour beaucoup, je crois, mais c'est surtout une question d'équipe. Je pense que chez Hydro, tous les gens sont très orientés sur les résultats, alors à tous les niveaux, des employés qui y sont, ou des membres d'équipe. Alors, là-dessus, on peut avoir deux réactions possibles. On peut tenter de diminuer l'importance de l'écart ou on peut chercher à atteindre des résultats. On peut chercher pourquoi l'atteinte de ces résultats pour s'en inspirer. Alors, dans les autres services, moi, c'est ce que je souhaite. Alors, puis pour surtout, il faut encourager les bons comportements qui limitent la hausse des coûts. Alors, c'est pour ça que je veux que je donne mon appui. Puis aussi, la convention présente, continue. On présente des éléments importants d'amélioration de la productivité. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le maire. Oui, certainement. Merci beaucoup, M. Lachance, qui a bien expliqué le contexte. Alors, ce soir, on entérine l'entente pour le renouvellement de la convention collective au niveau de Hydro-Sherbrooke, qui était issue depuis le 31 décembre 2018. Alors, c'est au terme de 21 séances de négociation, 8 séances de médiation dans le cadre de la loi 24 qui s'est fait. Alors, ça touche 112 employés permanents, une douzaine d'employés aussi, employés temporaires, et l'entente se terminera le 31 décembre 2025. Alors, somme toute, je suis très satisfait de ce qui s'est passé, c'est-à-dire les négociations qui se sont bien passées dans le respect mutuel en plus. Alors, la signature officielle des contrats de travail se tiendra au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci. Travaux à être annulés et réduction du montant prévu sur les règlements d'emprunt numéro 1047, 1137 et 1179. Je propose. Monsieur Paul Jain? Oui. Appuyé? Je l'appuie. De Mme Danielle Berthol? Oui. Émission d'obligation de la Ville de Sherbrooke au montant de 39 562 000 $. Je propose. Monsieur Paul Jain? Je l'appuie, Mme la Présidente. Appuyé par Monsieur Rémi Demers. Adjudication de l'appel d'offres 151-54 pour des services de câblage informatique et de fibre optique intérieure à taux horaire. Je propose. Monsieur Claude Charron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Annie Godbout.
J'avais posé une question en comité exécutif pour laquelle, je pense, nous n'avions pas eu de réponse. C'était le territoire qui est visé. Est-ce que c'est l'ensemble du territoire pour la fibre optique? J'avais en tête là, une question très précise en lien avec, par exemple, le bureau d'arrondissement, le point de service dans le district de Brompton. Est-ce que c'est quelque chose qui va être fait suite à cet appel d'offres-là? Quels sont les endroits, là, parce que... On n'avait pas eu de suivi, Madame la Présidente. Oui, c'est exact. C'est pour ça que je repose la question, de sorte que la réponse pourra être fournie à l'ensemble des élus. Parce que nous, on est le bureau de l'arrondissement, le point de service, est à côté de la centrale de Bell. Et on n'a pas toujours une très bonne réception au niveau du réseau. Alors, c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que ça va permettre d'améliorer quels endroits sur le territoire de la ville de Sherbrooke? Et je donnais celui-là à titre d'exemple. Je pense que Mme Boutin a levé la main, Mme la Présidente. Oui, Mme Boutin. Merci, M. Jeanne. Oui, Mme Bergeron, je peux vous répondre. L'appel d'offres dont il est question ce soir, c'est à l'intérieur des bâtiments. Pour ce qui est de l'alimentation en fibre optique bureau d'arrondissement de Brompton, le réseau n'est pas encore rendu assez près pour que ce soit économiquement faisable d'aller brancher le bureau d'arrondissement. Mais on est toujours en pourparlers avec les compagnies. Merci, Mme Boutin. J'aime pas la réponse, mais je la comprends. Alors, bonne négociation pour la suite des choses. Alors, à l'adjudication de l'appel d'offres 151-91, fourniture et installation de glissières de sécurité. Je propose. Madame Danielle Bertol. Appuyée par Madame Karine Godbout, je pense. C'est moi, Chantal L'Espérance. Ah oui, excusez-moi, Madame Chantal L'Espérance. Adjudication de l'appel d'offres 2020-022. Service professionnel en ingénierie pour la réalisation d'études géotechniques dans le cadre de la préparation de projets d'infrastructures urbaines. Je propose. Je peux l'appuyer. Je propose. Madame Bertol, appuyée par M. Charon. Juste revenir, là, quand je dis Madame Boutin que je n'aime pas la réponse, ce n'est pas votre réponse que je n'aime pas, c'est celle de Bill. J'avais bien compris. Oui, mais pour être sûr, pour les citoyens qui nous écoutent, qu'il n'y ait pas de malentendu. Alors, on poursuit. Adjudication de l'appel d'offres 2020-022 pour des services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'études géotechniques dans le cadre de la préparation de projets d'infrastructures urbaines. On l'a fait, Mme Bergeron. Oh, merci, désolée. J'étais encore accrochée. J'étais encore accrochée. La réponse est belle. Il faudrait que je décroche. Cogeco, vous aurez peut-être donné une autre réponse. Adjudication, toutes mes excuses. Donc, là, on est vraiment à la prochaine. Donc, adjudication de l'appel d'offres 150-044, fourniture et livraison de carburant et de mazout pour de multiples points de livraison. Je vais proposer, Madame la Présidente. Monsieur Deneau, appuyé par M. Pierre Tremblay. Adjudication de l'appel d'offres 2020-0. Madame la Présidente, excusez, je demanderais juste un petit commentaire par rapport à... Ah oui, OK, allez-y. Oui, en fait, c'est tout simplement pour que les gens sachent, j'ai trouvé que c'était intéressant. Dans le fond, la ville de Sherbrooke lance un appel d'offres pour avoir un soumissionnaire qui offre un escompte permanent au niveau d'un indice public reconnu. Et pour l'instant, la personne qui a gagné, le soumissionnaire qui a gagné, nous offre un escompte permanent de 0,045 $ par litre. Et comme on le sait, en ce moment, on bénéficie d'un indice très bas quant au prix du pétrole. Donc, si la tendance se maintient avec des prix assez bas, on pourrait sauver presque 3 millions de $ par rapport à ce qu'on avait estimé avec les anciens indices. Fait qu'il faut quand même comprendre que, en tout cas, ça peut être très avantageux pour la ville de Sherbrooke si jamais ces chiffres-là se maintiennent. Mais c'est variable parce que l'appel d'offres, ce n'est pas un prix fixe pour les trois prochaines années. C'est vraiment un appel d'offres pour un escompte sur un prix qui peut varier dans le temps. Merci.
Donc, on serait à la prochaine adjudication. Celle-ci, c'est de l'appel d'offre 2020-018 pour des services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructure d'aqueduc et d'égout TEC 4 sur la rue Galt-Ouest, chemin des Pèlerins et rue Wood. Proposé, Madame la Présidente, avec un commentaire. J'appuie. Monsieur Mardenau, appuyé par Madame L'Espérance. Monsieur Deneau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Dans les commentaires que j'ai faits par écrit, si j'ai demandé à nos services de s'assurer de travailler avec l'école Brébeuf, qui est juste à proximité. La rue Wood, en plus de servir pour les automobiles, sert aussi de transport actif, autant des jeunes qui vont à l'école à vélo, à pied, et aussi de débarcadère sur rue, qui fait en sorte que la cohabitation, des fois, n'est pas toujours facile. Et je suis convaincu que Mme L'Espérance, qui était conseillère de ce secteur-là pendant plusieurs années, va se réjouir aussi de l'action qui va être prise de refaire la rue Wood. Dans ce secteur-là, on a des problèmes de rétention d'eau au point de vue sur l'asphalte. Et aussi, on a eu des problèmes de refoulement parce qu'au point de vue de topographie, c'est très accidenté dans ce secteur-là. Et aussi, l'infiltration d'eau dans certaines maisons due à la quantité d'eau qu'il y avait dans le secteur. Donc, aux gens de la rue Wood, ayez patience, ça va se régler cette année. L'année prochaine plutôt, excusez-moi. Merci beaucoup. Bien contente d'entendre ça. Adjudication de l'appel d'offres 151-89 pour l'acquisition et le remplacement de distributrices de carburant. Je propose. Madame Berthold, appuyée par Madame L'Espérance. Le choix du jury du concours d'acquisition d'une œuvre d'art numérique, dossier que nous avons présenté en début de séance tout à l'heure. Je propose. Monsieur Jingue, appuyé de Madame Chantal L'Espérance. Prolongement des rues Belle-Rose, Bergerac, Bérubé et Boisvin et ouverture de la rue Berger dans l'arrondissement de Brompton, Rock Forest, Saint-Élie-Deauville. Finalement, c'est des noms qui commencent en B. Je propose. Oui, Mme Bergeron, je déclare mon intérêt, là, puisque ma famille est aussi promoteur. Parfait, M. Lachance. Et donc, est-ce que je peux avoir le nom du proposeur? Tremblay. Pierre Tremblay. M. Pierre Tremblay, appuyé par Mme Annie Godbout. Prolongement, tarif pour branchement de services d'aqueduc et d'égout. Modification du règlement numéro 1300. Je vais y aller, Mme Bergeron. Mme Berthold. Et je vais l'appuyer, Mme la Présidente. Appuyée par M. Rémi Demers. Maintenant, proclamation. Mme la Présidente, j'aurais une question. Je viens de me rendre compte de quelque chose. Je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y a deux dossiers dans le conseil sans papier confidentiel des adjudications de contrats qu'on ne retrouve pas dans le public, puisque les deux projets qui ont des deux adjudications qui sont en lien avec la cour municipale. Madame Chabot? Il va falloir les ajouter. Parce qu'effectivement, c'est des dossiers du CE de la semaine dernière qui n'ont pas, à moins qu'on les amène. Mais ils ne sont pas dans le dossier public, je m'en suis rendu compte. Oui, mais c'est vrai parce que moi aussi, je ne les voyais pas. Là. Donc, écoutez, ce qu'on pourrait faire, c'est les ajouter à l'ordre du jour en ajout de dossiers à 6.1.15 et 6.1.16 à ce moment-là. Si vous êtes d'accord. Oui, c'est une bonne idée, Mme Chabot. Merci pour la remarque, Mme Godbout. Il est encore temps. Tant qu'à faire. Oui. Est-ce que ça prend un appuyeur pour les changements? En fait, si les appuyeurs et proposeurs du départ sont d'accord pour ce changement-là, on pourrait garder les mêmes. Je pense que c'était M. Deneau et M. Havard. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Et à ce moment-là, quand vous allez dans vos dossiers conseil municipal confidentiel, en fait, il y a quatre adjudications, là. Mais il y en a deux qui ne sont pas là. Les deux autres, on les a vus. Les deux premières, on les a vues.
OK. Donc, c'est seulement pour la cour municipale. Donc, j'aimerais bien les proposer, s'il vous plaît. Oui, Mme Berthol, appuyée par Mme Godbout. Peut-être grâce à elle qu'on va les passer ce soir. Merci, Annie. Oui, merci beaucoup. On aurait été en retard. Merci à vous. Alors, ça vous va, les collègues? Oui. Parfait. Merci. Alors, je reviens donc à la journée, la proclamation 19 novembre, la journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Alors, Monsieur le maire. Je vais le proposer par commencer. Alors, oui, les gens se sont rendus. Juste un appuyant, peut-être, Monsieur le maire? Oui, je vais appuyer Monsieur le maire, Madame la présidente. Monsieur Deneau, allez-y, Monsieur le maire. Merci, M. Deneau. Alors, aujourd'hui, les gens se sont peut-être rendus compte qu'on porte fièrement le nœud papillon. Bien, c'est évidemment pour la proclamation du 19 novembre, la Journée québécoise de la sensibilisation au cancer de la prostate. Alors, depuis 2014, l'Assemblée nationale à Québec adopte chaque année et de façon unanime une résolution qui déclare que le 19 novembre est la Journée québécoise de la sensibilisation au cancer de la prostate, excusez-moi. L'organisme Procure, d'ailleurs, fait différentes actions et représentations auprès des villes et municipalités du Québec afin qu'elles suivent le pas et qu'elles proclament également la journée du 19 novembre comme étant la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate. Alors, la ville de Sherbrooke est donc associée à nouveau cette année. On sait qu'annuellement, c'est 4600 Québécois qui recevront malheureusement un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 890 personnes mourront de cette maladie. Que 12 Québécois aussi par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate, c'est beaucoup, là. Alors, Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec. L'importance de sensibiliser la population de la ville de Sherbrooke, d'ailleurs, au dépistage du cancer de la prostate est maintenue, c'est-à-dire que j'invite les gens à aller voir, à se faire dépister au cas où pour le cancer de la prostate. Que la campagne de financement Nœud-Vembre, alors, de Procure, offre l'occasion de porter le nœud papillon, comme on le fait aujourd'hui, pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. Alors, j'invite les membres du conseil également à le porter à cette journée. Alors, que le conseil municipal, aujourd'hui, la ville de Sherbrooke déclare le 19 novembre comme étant la journée de sensibilisation au cancer de la prostate, novembre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bienvenue, Monsieur le maire. Alors, tout à l'heure, j'ai dit à notre collègue, Monsieur Pierre Tremblay, qu'il était très élégant. Alors, pour ne pas faire de jaloux ou de jalouse, je vais dire que vous êtes tous et toutes très beaux avec votre nœud papillon. Puis merci, justement, d'avoir répondu à l'appel. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous aussi, Madame la Présidente. Merci. Alors, nomination, maire suppléant. Madame la Présidente, Céline qui parle, permettez-vous un commentaire. En fait, pour les deux dossiers qu'on vient d'ajouter, ça ne sera pas nécessaire parce que dans les deux cas, on est en bas de 100 000. Donc, la résolution du CA est suffisante. C'est ce que vous avez. Les dossiers qui sont confidentiels ne devraient pas s'y retrouver. En fait, c'est des dossiers de trop et non des dossiers manquants. Fait qu'on va retirer 615, 616 parce que la résolution du CE est suffisante. Ah bon? Vous êtes d'accord encore? Vous êtes d'accord donc pour le retrait? Oui. Parfait. Merci. Excellent. Merci pour les explications. Mais tout de même, merci Mme Godbout de l'avoir porté à notre attention. Effectivement, je voyais le message de notre collègue Julien Lachance qui dit qu'on devrait avoir une pensée, effectivement, pour notre collègue Serge Forêt. Oui, en alors, nomination maire suppléant. Oui, certainement. Oui, merci beaucoup encore à mon tour. Alors, vient déjà le temps de renouveler le contrat pour le maire suppléant. Vous saviez que j'avais demandé qu'à tous les 6 mois, on puisse renouveler la nomination d'une personne. Alors, exceptionnellement, M. Demers, je veux vous remercier sincèrement, M. Demers. Ça se termine déjà. C'est-à-dire qu'on a fait deux mandats de 6 mois ensemble, M. Demers. Je tiens personnellement à vous remercier pour tout le professionnalisme que vous avez été durant cette période-là, du beau travail également. Alors, je tenais à vous remercier beaucoup. Maintenant, aujourd'hui,
Bien, mon choix se tourne vers Mme Chantal L'Espérance. Alors, Mme L'Espérance, conseillère du district du Lac des Nations, mais également présidente de l'arrondissement. Alors, elle deviendra à partir d'aujourd'hui mairesse suppléante pour les 6 prochains mois. Alors, vous possédez, Mme L'Espérance, une feuille de route très impressionnant, je dois le dire. Évidemment, vous êtes membre aussi du comité exécutif. Oui, avec moi, on se voit tous les semaines. Et vous êtes vraiment une personne impliquée, engagée dans votre milieu, et je tenais à le dire. Alors, j'ai pleinement confiance en vous pour le rôle de mairesse suppléante, et ça, pour les 6 prochains mois. Je suis persuadé que vous allez assumer ce rôle avec brio, de toute façon. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté. Merci. Monsieur de Merci. Un petit commentaire aussi, Madame la Présidente. Oui, bien, tout d'abord, félicitations à Madame L'Espérance. Évidemment, je suis prêt à appuyer cette proposition-là. Je voudrais simplement dire que ça a été un plaisir de vous représenter, Monsieur le maire. En même temps, c'est représenter les membres du Conseil aussi, hein? Alors, je pense que les gens sont très heureux qu'on puisse être présents. Ça a été un mandat un peu particulier, un double mandat comme maire suppléant, à la fois en présentiel parfois et d'autres fois de façon virtuelle. Mais chacune des fois, je pense que les gens sont touchés et apprécient qu'il y ait un représentant du maire. Évidemment, il aime bien ça que le maire en personne peut être présent, mais il peut pas se diviser. Alors, j'ai eu l'occasion de vivre cette belle expérience-là et je vous en remercie. Et Chantal, je te souhaite aussi un bon mandat comme maire suppléant. Merci. Merci, Madame L'Espérance. Alors, merci, Monsieur Demers, et merci pour le travail que vous avez rempli au cours des plusieurs mois. D'ailleurs, vous avez été ben, là presque 10 mois, je crois, pour compte tenu de la pandémie. Alors, merci pour avoir rempli ce rôle. Alors, je vais essayer de faire aussi bien que vous. Alors, Monsieur le maire, j'accepte cet honneur avec humilité et je vous remercie de me faire confiance. Je remplirai ce mandat avec rigueur et professionnalisme et je vous ferai honneur à tous membres du conseil municipal et à vous, Monsieur le maire. N'en ayez aucun doute. Alors, merci encore. Je sais que j'avais l'occasion d'occuper cette fonction lorsque j'étais dans le conseil municipal de Jean Perrault, le premier qui avait suivi la fusion. Et alors, c'est une deuxième fois que j'ai cet honneur-là. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, Madame L'Espérance. Merci, Monsieur de Merci. 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 Donc, diffusion vidéo des conseils d'arrondissement et questions au conseil municipal par enregistrement vidéo. Ça me prend un proposeur et un appuyeur. OK, moi, je peux en faire la proposition. OK, un appuyeur. Je peux l'appuyer. Ben oui. Je n'ai pas compris qui l'a appuyé. Monsieur Lachance. Monsieur Julien Lachance. Oui, Madame Beaudin. Oui, alors, juste un mot en commençant pour expliquer la situation étrange dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, parce que j'ai apporté des propositions afin d'améliorer la démocratie municipale pour les citoyens et citoyennes en contexte de pandémie. Mais là, il a été décidé d'apporter les propositions pour analyse dans un comité politique sur lequel je ne siège pas. Et les élus du comité ont recommandé de ne pas aller de l'avant avec mes propositions. Alors, ça a été discuté à huis clos, puis c'est même écrit dans nos documents que les élus ont pris la décision à huis clos le 19 octobre 2020. Pourtant, il y a certaines personnes qui prétendent encore qu'il n'y a aucune décision qui se prend à huis clos à Sherbrooke. Alors aujourd'hui, je me retrouve à voter contre le fait d'être contre les propositions que j'ai apportées. Alors, je trouve ça très particulier. Puis, c'est d'habitude, les gens votent contre une proposition, pas contre le fait d'être contre une proposition. Donc, si vous êtes mêlés, je vous dis, c'est normal. Parce qu'on dirait que des fois, c'est difficile de faire les choses simplement à Sherbrooke, surtout en matière de transparence. Sur le fond de la question maintenant, on sait qu'on ne siégera pas en personne avant un bon moment. Puis les deux ajustements qui étaient proposés, c'est-à-dire de pouvoir poser des questions en direct lors des séances et enregistrer la vidéo des séances et conseils d'arrondissement, mais ça aurait permis de redonner du sens, notamment à l'exercice de reddition de comptes que constitue la période des questions. Contrairement à ce que certains élus semblent croire, la période des questions, ce n'est pas juste une alternative au courriel pour contacter les élus. C'est beaucoup plus que ça.
La période de questions, c'est un moment où les citoyens et citoyennes peuvent mettre des enjeux politiques de l'avant sur la place publique. Puis c'est un moment où ils peuvent challenger les personnes qui sont censées les représenter à l'hôtel de ville. En livrant des réponses toutes faites, préparées à l'avance par les fonctionnaires, ça ne rencontre pas aussi bien les objectifs de cet exercice qui est tellement incontournable que le législateur l'a sévèrement encadré dans la loi. Les arguments qui nous sont présentés aujourd'hui pour justifier de rien faire sont loin d'être convaincants. On compare les enregistrements audio des séances d'arrondissement à des balados. Ben, excusez-moi, mais ça revient quasiment à comparer pour moi les vidéos de nos séances de conseil à des games du Canadien. L'idée, c'est d'être transparent, pas de battre des records d'écoute. La transparence, c'est bon en soi. Ça ne se mesure pas avec un nombre d'écoutes. Donc, ça donne en plus que c'est super facile de faire ça parce qu'on utilise le logiciel Teams pour nos séances de conseil d'arrondissement. Donc, il suffirait de peser sur le bouton « Enregistrer » et voilà, on pourrait enregistrer nos séances d'arrondissement. D'ailleurs, la STS l'a compris, puis elle enregistre maintenant ses séances depuis que j'en ai fait la demande. Donc, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Mais j'ai souvent l'impression que c'est la loi du moindre effort qui nous gouverne quand vient le temps de poser des gestes pour améliorer la transparence. On dirait qu'on fait le strict minimum et rien de plus. Puis le comble, c'est qu'on vient de recevoir 16 millions de dollars du gouvernement du Québec puis qui prenait la peine de spécifier que cette somme-là devait servir notamment à la transition numérique de l'exercice démocratique. Ça devait servir exactement à couvrir les frais qui pourraient découler de tout ça. Fait que le vote officiel n'est pas encore pris. Alors, je vais laisser le soin aux collègues de s'exprimer. J'espère avoir réussi à les convaincre parce que c'est des petits gestes qui demandent sincèrement pas beaucoup d'efforts puis qui permettraient d'améliorer l'exercice démocratique. Donc, évidemment, je vais demander le vote à la fin parce que je suis contre le fait d'être contre ma proposition. Monsieur Deneau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En lien avec ce dossier-là, je suis d'accord quand même avec la recommandation. Mais qu'est-ce que j'aimerais porter à l'attention de l'ensemble de l'appareil municipal? C'est en période de COVID, lors de consultations publiques qui sont maintenant rendues écrites. On peut, ce soir, je pense qu'on a un ou deux exemples à l'agenda où personne ne participe. Souvent, c'est des dossiers qui peuvent avoir un impact. On a eu un dossier qui a eu beaucoup de commentaires, là, celui d'Imostar. Même si on regarde, j'ai fait un tour des agendas depuis le 5 octobre. 12 dossiers n'ont eu aucun commentaire ou questionnement des citoyens. Peut-être revoir notre façon de consulter les gens par écrit ou autrement sur des changements de zonage. C'est sûr qu'on peut se faire accuser par certaines fois de vouloir cacher des choses, chose que je suis convaincu, ce n'est pas notre but, mais trouver des façons innovantes. Une ville de Sherbrooke, une ville à la taille de la ville de Sherbrooke peut, versus d'autres grandes villes, être plus flexible et avoir des idées qui pourraient passer au point de vue innovation pour une ville qui se démarque. Et pour conclure, en lien avec le propos de Mme Beaudin, Mme Beaudin, c'est le conseil d'administration qui a pris l'orientation d'aller de l'avant pour diffuser les séances du conseil d'administration de la STS. On a pris l'exemple d'autres sociétés de transport, entre autres sur les réseaux comme YouTube, qui étaient déjà disponibles. Et c'est un engagement qu'on a pris pour rejoindre les gens et les informer en lien avec ce qui se passe à la STS. Et à la fin de la pandémie, on fera l'analyse si on continue à informer les gens de cette façon-là. Merci beaucoup. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite être entendu? Sinon, on va appeler le vote. J'avais levé la main. Oui, M. Demers, allez-y. Un commentaire. Bien, écoutez, je pense que Mme Beaudin souhaitait qu'on fasse un débat au conseil, puis c'est tout à fait correct. Là. C'est pour ça que je trouve important de revenir sur cette question-là. Moi, je soutiens la proposition qui est faite telle qu'elle est faite là, ici. Mais ce que je veux mentionner, c'est que, d'une part, je pense qu'on a fait beaucoup en termes de transparence et tout ça avec la diffusion des séances du conseil, etc. Et même
Faut entendre que sur Internet, les séances de conseil d'arrondissement sont quand même captées en séance audio. Mais faut savoir une chose, que les enjeux au niveau des arrondissements, sans les diminuer, sont importants, mais sont souvent beaucoup plus individuels, des dérogations mineures notamment, tout ça. Alors, les grands débats publics se font moins là. Alors, je pense que c'est une question aussi de rapport coût versus ce que ça peut rapporter. Et puis, pour ce qui est du conseil municipal, bien évidemment, ce qu'on souhaite le plus possible, c'est de retrouver nos citoyens dès que la pandémie, là, on sera capable de se voir, c'est retrouver nos citoyens à l'hôtel de ville. Je pense que c'est la meilleure des formules. Mais pour le reste, pour certaines considérations techniques qui étaient amenées notamment, je soutiens absolument là, ce qui est proposé. Merci. C'est Madame Annie Godbout. Oui, bon, c'est ce genre de dossier, effectivement, un peu embêtant. Dans le dossier proposé, ce qui est important, c'est de bien cibler les objectifs recherchés. Si l'objectif recherché, c'est d'augmenter la transparence, personnellement, je ne crois pas que c'est des vidéos qui vont changer cet enjeu de transparence dans les conseils d'arrondissement, que ce soit en mode vidéo ou en mode audio, c'est le même compte-rendu. Maintenant, si l'objectif recherché, c'est d'augmenter la participation citoyenne, d'avoir plus de monde qui participe, qui nous écoute, qui pose plus de questions, je ne crois pas que c'est non plus le mode vidéo qui va changer quelque chose. La participation citoyenne dans les arrondissements, pour ma part, c'est une question de contenu. On doit trouver en fait une formule qui est intéressante où on va stimuler les débats, où on va amener les gens à participer parce que les questions des citoyens, ils viennent au conseil municipal. La plupart, il y en a quelques-uns, mais tellement, moi, depuis 7 ans, c'est une minorité. On est quasiment capable de les compter sur le bout de nos doigts à chaque année. Donc, c'est ça. Fait que moi, si c'est pour un enjeu de transparence, ça ne répond pas à l'objectif. Puis, si c'est pour augmenter la participation citoyenne, ça ne répond pas non plus à l'objectif. Mais je trouve ça tout à fait noble de se poser cette question-là. C'est une bonne question, Mme Baudin. Mais maintenant, pour moi, ce n'est pas les bons véhicules. Merci. M. Vincent Boutin. Oui, merci. Moi, ce que j'ai remarqué dans les conseils d'arrondissement, là, j'ai fait une petite analyse et à Fleurimonde, au conseil d'arrondissement, en moyenne 12 minutes du début à la fin. Et depuis qu'il y a eu la réforme, je trouve que il y a beaucoup d'éléments qui sont maintenant décidés au conseil municipal. Et bon, pour ce qui est de la période de questions, je pense que la joute politique en tant que telle se passe vraiment lors de la période de questions du conseil municipal. Souvent, c'est des citoyens qui viennent nous voir pour des problématiques très précises, que ce soit de déneigement ou de dérogation mineure. Donc, je pense qu'on est davantage dans quelque chose de très proximité. Moi, si je voulais... Si j'avais une recommandation à nous faire pour justement peut-être revenir à nos façons de faire, moi je pense qu'on est en zone rouge pour une période qui est indéfinie. Le Granada, il ne sert pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à une méthode où on fait nos conseils municipaux au Granada? Parce qu'on le voit dans d'autres municipalités, là, c'est en présentiel. Donc il y a peut-être là, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus porteur pour permettre aux citoyens de venir nous challenger, ce qui est tout à fait correct. Personne autour de la table qui a refusé de répondre à des questions des citoyens et ça alimente l'actualité et ça nous fait réfléchir et évoluer. Fait que moi, en ce sens, si j'avais une recommandation à faire, ce serait davantage de revenir à un mode présentiel que de diffuser de façon vidéo là, nos conseils d'arrondissement. Madame L'Espérance. Oui, alors, écoutez, nos services, lorsqu'ils ont analysé, parce que c'est venu plusieurs fois, ce dossier-là, et ils nous ont parlé d'une question de faisabilité, parce qu'on est plusieurs arrondissements qui siégeons en même temps. Donc, ça crée un problème avec une question de bande passante et tout ça. Et aussi, au niveau sécurité, parce que la plateforme Team, à cause du clavardage,
ne permettait pas de pouvoir avoir une sécurité qui pouvait être à l'épreuve de tout. Moi, je pensais avoir trouvé une façon de faire parce que j'avais exploré la plateforme Team lors des assemblées annuelles des comités de retraite, sauf que si je regarde comment on procède, ça deviendrait à ce moment-là injuste pour certains citoyens qui ne s'inscriraient pas, par exemple, à temps pour aller chercher un lien. Alors, donc, on ne traiterait pas les citoyens de la même façon. Donc, un citoyen qui aurait quelque chose, par exemple, à nous dire et qui s'en rendrait compte, mettons, à 4h moins 10, je pense qu'il serait mieux d'envoyer sa question parce qu'il ne pourrait pas avoir son lien pour pouvoir se brancher. Alors, c'était quand même plus complexe que ce que je pensais. Alors donc, pour une question d'équité, pour une question de sécurité et de faisabilité aussi au niveau de nos services, je pense qu'il y a d'autres façons de pouvoir être transparent. Je comprends, là, c'est très louable, comme dit Mme Godbout, d'avoir cette pensée-là, mais je pense que ce n'est pas le bon moyen de le faire. Alors, j'abonderai plus dans ce que mon collègue Boutin mentionne, essayer de trouver un endroit où on pourrait être en présence et ce serait beaucoup plus et qu'on puisse accueillir justement du public. Ce serait beaucoup plus pertinent comme travail au niveau de notre population. Merci, Monsieur le maire. Oui, rapidement. Bien, c'est sûr qu'on a tous hâte là, de pouvoir revenir avec le public, mais malheureusement, en zone rouge, c'est impossible. Alors, on verra avec le temps, là, au niveau des décrets du gouvernement, comment ça se passera pour les autorisations. Mais pour l'instant, c'est refusé qu'on puisse se faire venir du public en zone rouge, peu importe l'endroit. Alors, moi, souvent, je vais laisser le choix au niveau des arrondissements, ce qui a été fait d'ailleurs. Alors, vous avez décidé de continuer en audio. Je trouve que c'est une bonne idée de continuer de cette façon-là. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne changera pas la méthode, vous ne déciderez pas de changer la méthode. Mais pour l'instant, je comprends bien que l'objectif est bien rencontré. Depuis l'implantation, d'ailleurs, de la nouvelle méthode où les gens peuvent se poser leurs questions, là, je parle plus au niveau du conseil municipal, les gens peuvent se poser leurs questions sur le web, bon, avec des temps déterminés. Là, ici, c'est l'heure limite qui est posée pour une question au conseil municipal, soit fixée à 16 heures. C'est la résolution qui le précise, là, le sommaire qui le précise. Alors, je trouve ça une excellente idée. D'ailleurs, je me rends compte qu'on a beaucoup plus d'informations à remettre sur le champ directement aux citoyens ou citoyennes. Alors, pour ce fait-là, moi, je désire rester tel quel. Je pense que ça va bien pour l'instant. Et surtout au niveau du conseil municipal, bien, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et oui, c'est de la transparence et on en fait de la transparence un peu partout parce que les gens ont accès aussi aux audios. Alors, merci beaucoup. Merci, Madame Danielle Berthold. Oui, on s'est évidemment qu'on s'est prononcé sur la situation de la diffusion des conseils d'arrondissement pour une période de 5 minutes. Je ne crois pas que ça vaille la peine. En tout cas, pour ce qui est de Fleurimont, peut-être qu'à des nations, c'est un peu plus long, mais bon. Ensuite de ça, j'entends certains de mes collègues qui parlent qu'on devrait trouver le moyen d'être en présentiel dans un endroit et de se rapprocher de la population. Monsieur Boutin, vous étiez absent quand on en a discuté en comité huis clos. Et la décision avait été prise que ça ne se ferait pas du fait que l'on ne peut pas contrôler l'environnement des autres. Moi, j'étais la première à dire que si jamais on se retrouve 16 ou 23 personnes dans un endroit X, Y, Z, que je n'irai pas. Mme Baudin était à la même place que moi. Je pense que M. Jingue également était à la même place que moi. Alors, on s'était dit à ce moment-là, si on est pour avoir des gens en visioconférence et des gens en présentiel, ça ne peut pas fonctionner. Alors, moi, je suis capable de contrôler mon environnement. Je suis capable de contrôler au pis-aller l'environnement du CE le mardi matin. Mais il est évident que si on me demande de me retrouver dans un endroit X, Y, Z avec les fonctionnaires, avec tous les conseillers et conseillères, c'est irresponsable. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vaccin ou tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas nous permettre de le faire de façon sécuritaire, entendons-nous bien, je pense que c'est un avenue qu'on doit mettre de côté. Puis c'est bien beau, on veut toutes les revoir, nos citoyens et citoyennes, bien évidemment. Mais déjà, même encore à la station où je travaille, on n'y va plus. On est toujours en visioconférence du fait que nous sommes dans la zone rouge. Et je ne sais pas, mais aux nouvelles, c'est pas bien encourageant. Alors, je voulais juste apporter cette précision. Merci. Merci, Mme Karine Godbout. Merci, Mme la Présidente. C'est vrai que la situation idéale, c'est d'être en présentiel. Hein, je pense qu'on l'entend bien. Effectivement, je ne pense pas que c'est une bonne idée, puis c'est quelque chose qui est envisageable, là, comme tout le monde l'a dit, en zone rouge. Je pense que pour moi, la question, c'est qu'on cherche
à une façon de dynamiser. Hein, c'est le conseil d'arrondissement, là, c'est notre relation de proximité, c'est là où on veut être en contact avec les gens. Donc, oui à la transparence, puis oui à la participation citoyenne. Donc, de filmer ça, effectivement, on a déjà l'audio. Donc, l'idée, c'est de ne pas alourdir le processus. Par contre, moi, c'est vrai que c'est plate, un conseil d'arrondissement. C'est vrai que là, on découvre un peu c'est quoi l'auditoire et les gens qui vont écouter ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, comment on fait pour intéresser les gens? Parce que je pense que quand même, l'information, pour ceux qui la souhaitent, qui la veulent, elle est quand même trouvable. Mais l'idée d'avoir la vidéo, c'est que c'est plus dynamique, c'est que les gens ont l'impression de mieux suivre, d'avoir un contact visuel, parce que des fois, l'audio, c'est difficile. Donc, ceci étant dit, je ne suis pas persuadée que la méthode proposée, là, était la meilleure façon d'aller dynamiser, mais je nous invite fortement à trouver des façons d'intéresser les gens, de le rendre plus intéressant et de voir l'information, à la rendre la plus disponible possible. Et en terminant, je fais du pouce sur ce que mon collègue Marc Deneau a dit, parce qu'actuellement, on est beaucoup là-dedans dans les consultations écrites. Évidemment, quand on est en visio, ça nous coupe de notre monde, ça nous coupe de notre lien. Et les communications, c'est plus difficile. Donc, je pense qu'on a de l'amélioration à faire. Comment on peut contacter les citoyens pour qu'ils soient au courant des projets importants dans leur secteur, qu'ils sachent qu'ils puissent se prononcer, parce que les processus, c'est plusieurs étapes, puis parfois, c'est compliqué. Donc, je pense que il faut répondre présent à ça et s'améliorer et trouver des façons toutes simples. Des fois, c'est peut-être juste d'envoyer une lettre aux portes des citoyens qui explique c'est quoi le projet puis les étapes en toute transparence aussi. Donc ça, j'en suis. Il faut aviser les gens quand on a des consultations publiques, surtout dans la situation de COVID actuelle. Merci. Merci. Monsieur Claude Charron. Oui, merci. Je veux juste prendre l'exemple de notre arrondissement. Nous avions une bonne présence avant COVID. Il y avait des gens qui venaient, puis c'est des gens intéressés, puis ils nous suivaient. La différence aujourd'hui, c'est que ils communiquent quand même avec nous autres, ces gens-là. J'ai eu zéro plainte parce que nous sommes disponibles d'ici à l'arrondissement. J'ai des téléphones, j'ai des courriels, j'ai des rencontres sur la rue, puis on est trois conseillers, puis eux autres aussi reçoivent des questions, ces choses-là. Puis, donc, ça satisfait l'affaire. Tu sais, on a un enregistrement, puis il y a peu d'écoute à l'enregistrement. On communique plutôt avec les conseillers. Donc, c'est pour ça que je vais voter pour. Merci. Merci, M. Jeng. Merci, Madame la Présidente. Ben, je trouve l'idée, comme Annie Godbout disait, l'idée est très noble de vouloir inspirer les gens à se rapprocher de la scène politique, du politique comme tel, surtout qu'au municipal, on sait qu'on a le taux le plus bas de participation aux élections. Et on est le gouvernement de proximité par excellence. Alors, moi, je comprends tout ça, là. J'ai l'impression, de ce temps-là, à l'arrondissement, d'être dans une cuisine virtuelle. Et c'est pas évident de sentir que les gens sont derrière nous, sont devant nous, sont à côté de nous. Bref, c'est très bizarre comme ambiance et je comprends ça. D'un autre côté, moi, je reçois, je ne sais pas pour vous, mais je reçois entre 2 et 10 demandes citoyennes par jour. Des gens à qui je me rends disponible. Et sur ces 2 à 10 dossiers-là, il y en a un que je vais amener au conseil d'arrondissement. Si ce n'est pas 2, si ce n'est pas 3, je vais rentrer en contact avec la direction de l'arrondissement. C'est des sujets qu'on décide aussi à l'arrondissement, si on doit en parler, si c'est un sujet d'arrondissement ou plus un sujet. Alors, vous voyez un peu où je veux en venir. Au niveau de l'arrondissement des Nations, moi, je regarde les PV des autres arrondissements, puis je me demande sur quelle planète qu'on est à l'arrondissement des Nations, parce qu'on termine pas mal plus tard. Et puis, on avait l'habitude d'avoir entre, corrigez-moi, Mme Espérance, mais entre 3 et 5 intervenants
à chaque fois qu'on avait des conseils d'arrondissement lors de la période de questions et vous les laissiez parler plus que 3-5 minutes. Donc, ce phénomène-là de proximité, là, on l'a perdu, là. On ne l'a pas là. Ça, c'est évident. Mais on est dans des temps extraordinaires et moi, je continue à croire que d'appeler son conseiller ou sa conseillère municipale et de voir le bout de chemin qu'on peut faire, je pense que c'est encore une proximité extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je vais y aller de la recommandation. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Moi, je vais aussi donner mon commentaire. Pardon? Julien, allez-y, M. Lachance. Je vais vous laisser pour la fin. Alors, bien rapidement, moi, je pense que ça donne de faire une vidéo. Oui, ça donne une bonne image, mais sauf que dans la réalité, ça augmente les coûts. Et il m'apparaît très peu de bénéfices, puis pas vraiment de besoins. Alors, je pense pas qu'il y a lieu d'aller dans ce sens-là. Je vais voter pour aussi, bien sûr. Parfait, merci. En fait, deux, trois petites choses que je voulais mentionner à mon tour. D'abord, Mme Beaudin, là, bien sûr qu'il n'y a pas eu de décision en comité plénier huis clos. On ne peut pas prendre de décision. Les endroits où on peut prendre des décisions, c'est par le conseil municipal ou le comité exécutif ou les comités sur lesquels on siège qui émettent des recommandations ou les groupes de travail. Et donc, il y avait eu comme une orientation parce qu'on en avait quand même discuté à votre demande, ce qui était tout à fait correct. Et suite à ça, vous avez demandé justement que le dossier soit ramené en public pour que là, il y ait une décision qui soit prise. Ça ne peut pas être plus transparent que ça. Puis la démocratie va s'exprimer comme vous le souhaitez avec le vote qu'on s'apprête à faire dans les prochaines minutes. L'autre chose sur laquelle je veux revenir aussi, c'est quand vous parlez de la période de questions pour laquelle maintenant on donne des réponses formatées de la part de l'administration, bien, des réponses formatées, là, moi, ce que je souhaite, c'est que, puis je pense que c'est ce que les citoyens souhaitent aussi, c'est qu'ils veulent avoir une réponse à leurs questions. Donc, je trouve qu'on est devenu même plus performant qu'avant, dans la mesure où très souvent, c'est l'administration qui opérationnalise les décisions du conseil municipal. Donc, on a besoin souvent d'aller chercher l'information auprès de nos services pour être en mesure de répondre adéquatement aux citoyens qui prennent la peine de nous écrire. Ou ceux qui prenaient la peine de venir nous voir avant, en personne, et qui pourront sans doute le faire à nouveau quand ce sera possible de le faire. Mais je pense que ce que les citoyens souhaitent, c'est ça, c'est d'avoir une réponse et le plus complète possible. Et je pense que, en ce sens, avec la nouvelle façon par laquelle on est obligé, étant donné qu'on siège maintenant à distance, bien, ça permet à tout le moins aux citoyens d'avoir une réponse qui est probablement plus rapide et complète peut-être qu'auparavant. L'autre chose aussi que moi j'ai constaté, puis plusieurs d'entre vous l'avaient dit, c'est-à-dire que moi je remarque avec les années qu'il y a de moins en moins de citoyens parfois qui demandent à nous rencontrer en personne. Cependant, ça a été décuplé par d'autres moyens, c'est-à-dire les réseaux sociaux, courriel, on a plus qu'une adresse courriel, on a bien sûr le bureau d'arrondissement, nos numéros de téléphone résidentiel et cellulaire. Et donc, on voit que maintenant, on est multiplateforme et les citoyens apprécient ça aussi. Parce que s'il y en a qui n'ont pas le temps nécessairement durant leur travail de venir nous rencontrer, et ça permet à ce moment-là, encore là, de gérer plus rapidement et peut-être plus efficacement que d'attendre une fois par mois pour venir à une réunion d'un conseil d'arrondissement et parler ou adresser un problème ou une question. Et aussi, les citoyens se rendent compte que quand ils le font au fur et à mesure de leur quotidien, bien, s'ils ont un problème, s'ils l'adressent le plus rapidement possible, bien, il risque d'y avoir non seulement une réponse, mais souvent c'est un problème
une solution qui va arriver à leur problème pour ne pas avoir à attendre un mois, parce qu'on siège une fois par mois à l'arrondissement. Donc, et enfin, je dirais qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas évident de se présenter devant les membres du conseil municipal. C'est très imposant. Moi, je me souviens même être entrée la première fois dans la salle du conseil et d'avoir été très impressionnée, ne serait-ce que par les lieux. Donc, quand vous avez 17 élus devant vous, plus les fonctionnaires, plus les journalistes à la galerie de la presse, c'est très intimidant. À l'arrondissement, c'est un peu moins intimidant parce que c'est plus petit. Ce sont des lieux qui sont moins imposants aussi et il y a moins de monde. Les journalistes ne sont pas nécessairement là. Donc, c'est moins intimidant pour les gens. Mais pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment, je crois que maintenant, les citoyens veulent nous rejoindre par différents moyens et plus rapidement et pas nécessairement de la même façon qu'auparavant. Alors, voilà ce que je voulais apporter. Alors, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre que j'aurais oublié de prendre de son intervention. Si ce n'est pas le cas, je vais demander à Mme la greffière d'appeler le vote. Oui, alors la question que je vous adresse, c'est approuvez-vous la recommandation telle que proposée relativement à la diffusion vidéo des conseils d'arrondissement et question au conseil municipal par enregistrement vidéo? Est-ce que vous pouvez lire la recommandation dans ce cas-là? On va la mettre à l'écran, si vous voulez bien. Donc, c'est la recommandation que vous aviez dans votre sommaire décisionnel. Alors, M. Lachance. Pour. Mme Berthol. Pour. M. Deneau. Pour. M. Charron. Pour. Mme L'Espérance. Pour. Mme Beaudin. Contre. M. Geng. Pour. Madame Karine Godbout. Pour. Monsieur Demers. Pour. Monsieur Tremblay. Pour. Monsieur Boutin. Pour. Monsieur Havard. Pour. Madame Annie Godbout. Pour. Monsieur Lucier. Pour. Madame Bergeron. Pour. Donc, les membres approuvent la recommandation à la majorité. Merci. Alors, on va passer au prochain point. Gestion Loisirs Plus, identification des membres observateurs de la ville de Sherbrooke au conseil d'administration. Je le propose, Madame la Présidente. Monsieur Vincent Boutin, appuyé par Monsieur Paul Geng, je pense. Exact. Oui, donc il y a deux semaines, la semaine passée. Donc, on discutait, là, justement, il y avait une espèce d'imbroglio, un manque de précision, en tout cas, dans le sommaire décisionnel. Donc, là, ce qu'on vient confirmer, c'est que la représentante de l'arrondissement de Brampton-Forest-Deauville sera Nicole Bergeron, à un poste d'observatrice. Et sur le chef de section, c'est François Salvay de la ville qui sera là pour le côté administratif. Donc, on vient confirmer que c'est Mme Bergeron qui va siéger sur le conseil. Et lorsque les élections seront terminées dans le prochain mandat, ben, les gens de Rockforest-Brampton-Saint-Élie-Deauville choisiront un autre représentant politique. Merci. Alors maintenant, on serait au prochain dossier. Tenue d'une soirée d'idéation sur l'occupation et l'aménagement des espaces publics dans le cadre du projet d'aménagement du secteur des Grandes Fourches Nord. Je propose. Je vais l'appuyer. Madame Chantal L'Espérance, appuyée par Madame Annie Godbout. Avec un commentaire? Allez-y, Madame L'Espérance. Simplement mentionner qu'en fait, il y aura une soirée d'idéation qui va être tenue évidemment de façon virtuelle, là, compte tenu du contexte, le 9 décembre prochain sur l'occupation et l'aménagement du territoire, en fait, des Grandes Fourches Sud. Alors, pour parler de l'aménagement des espaces publics. On invite la population à être nombreux à participer à cette soirée d'idéation parce qu'on est quand même en amont de ce qu'on veut réaliser. Alors, je pense que les citoyens peuvent nous influencer. Merci, M. Boutin. Et ce sera probablement à 19h. Bien, l'heure n'est pas mentionnée, là, mais ce sera 19h, j'imagine. C'est bien 19h, Mme L'Espérance.
C'est ça. Merci. Parfait. Monsieur Boutin. Oui, donc, ben, on invite là, les citoyens en grand nombre à participer à cette journée-là. Je pense qu'il faut se dire, ben, cette soirée-là, je pense qu'il faut se dire qu'on est en mode écoute et on veut faire de ce quartier-là quelque chose qui rassemblera et qui laissera une trace durable, finalement, là, de ces consultations-là. Et je me permets de faire un rebound sur l'autre dossier qu'on a parlé, là, des, parce que je l'ai oublié de le noter, mais je profite de ça pour souligner que je pense que s'il y a un besoin urgent à travailler, c'est davantage de refaire des soirées de consultation virtuelles dans nos dossiers d'urbanisme et dans ce genre de choses-là pour aller chercher davantage d'informations chez nos citoyens. Merci, Madame Boutin, Baudin, pardon. Oui, ben, je suis absolument d'accord avec mon collègue M. Boutin. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Puis en fait, tous les gestes qu'on proposait pour améliorer la transparence, l'information, la consultation, la participation citoyenne, c'est ce qu'on souhaite faire chez Sherbrooke Citoyen. Par rapport au dossier de soirée d'idéation du secteur Grande Fourche, je salue l'initiative. Faut dire que je ne compte plus le nombre de fois où on avait réclamé une telle soirée. Alors, Madame L'Espérance me dira qu'on apprend la patience parfois en politique. Je n'ai pas encore tout à fait appris, mais je suis quand même contente que ce soir, on annonce qu'il va y avoir cette soirée-là. Je veux juste que, pour être sûre de répondre aux attentes des gens, oui, l'aspect idéation par rapport à l'aménagement des berges et des places publiques et tout ça, c'est important. Mais les gens vont avoir des questions par rapport à la circulation automobile du secteur, le tracé des rues, les usages qui sont permis, le nombre d'étages, l'intégration de tous les bâtiments dans le secteur et combien ça va coûter d'argent à la ville. C'est quoi le budget? Qu'est-ce qu'on est capable de se payer là, en termes de budget comme ville pour l'aménagement de ce secteur-là? Alors, ces questions-là ne doivent pas être négligées. Les élus ont spécifiquement demandé à nos services d'aborder ces questions-là lors de la soirée d'idéation. Alors, j'espère ardemment que ce sera possible d'aborder ces questions-là et d'avoir des réponses. Et d'ailleurs, s'il y a déjà de la documentation qui est disponible pour les gens pour commencer à se préparer à cette soirée-là, quand on met en place un processus consultatif comme ça où les gens peuvent se préparer et lire la documentation en avance, ça rend l'exercice d'autant plus pertinent. Alors, si jamais là, il y a de la documentation disponible, là, j'imagine qu'il va y avoir un communiqué de presse ou des choses comme ça, peut-être indiquer aux gens où est la documentation sur le site web afin qu'ils puissent se préparer adéquatement. Merci, M. Jeng. Oui, je serai bref. Comme candidat indépendant aussi, je suis très heureux de voir la tenue prochaine d'une soirée d'idéation. Pour moi, rien de mieux que de faire appel aux Sherbrookoises et Sherbrookois pour proposer des scénarios en lien avec tout ce secteur. On risque d'avoir d'agréables surprises. Lors de la présentation de ce dossier au comité de revitalisation du centre-ville, j'avais demandé aussi à nos services qu'ils présentent les balises financières lors de cette soirée. Question de ne pas générer des attentes trop ambitieuses ou exagérées. Alors, dans tous les cas, je crois que nous devrons procéder par étapes. Mais moi, je suis ravi là, de la tenue de cette soirée d'idéation-là. Donc, un rendez-vous le 9 décembre. Merci. Monsieur le maire? Oui, rapidement. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là. Alors, oui, bien, c'est une soirée très importante là, pour que les gens puissent émettre leurs suggestions, en effet, sur l'aménagement des berges, entre autres, des espaces publics, j'en passe. Je veux juste préciser que sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke, on retrouve quand même, pour que les gens puissent se mettre un peu dedans, là, alors on retrouve quand même de l'information. Alors, les gens peuvent aller sur le projet des Grandes Fourches, du Grande Fourche Nord, entre autres, là, sur le secteur. Alors, c'est bien indiqué, vous allez pouvoir lire, regarder évidemment ce qu'il sera parlé, entre autres. Mais d'autres informations viendront d'ailleurs s'ajouter au fil des prochains jours. Merci beaucoup. Monsieur Deneau. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il mentionnait, c'était tout à fait juste là, que sur le site Internet, ça va être disponible. Mais en lien avec mon commentaire précédent, là, point de vue aménagement, bordure de rivières, de cours d'eau au centre-ville, moi, je me trompe, là, depuis Cité des Rivières, il n'y a jamais eu autant d'immobilisation qui va se faire en bordure d'un de nos cours d'eau.
Donc, de s'assurer d'aller chercher le plus possible de gens, autant, comme par exemple le club de curling, les gens d'autres associations, autant point de vue conservation de l'eau, les parcs nature, tout ça, s'assurer que ces gens-là soient présents, parce que c'est quand même un moment, un projet qui va passer à l'histoire pour Sherbrooke, puis on va l'avoir très bientôt disponible. Donc, trouver une façon, je pense, un défi lancé au service de communication, de s'assurer d'aller chercher ces gens-là. Merci. Merci. Donc, prochain dossier, adoption de projet de règlement en commençant par le 1200-126 qui modifie le règlement 1200 zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke dans la zone C1298 sur la rue Quignes. Je propose. Et j'appuie. M. Boutin, appuyé par Mme Berthold. Projet de règlement 1200-127 qui modifie le règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke dans la zone I-1123 sur le boulevard industriel. Je vais le proposer. Monsieur Vincent Boutin, je pense, appuyé par Monsieur Denault. Oui. OK. Projet de règlement 1200-128, modifiant le règlement 1200 de zonage et de lotissement dans la ville de Sherbrooke, dans la zone H1442 sur la rue Papineau. Je le propose. Monsieur Boutin. J'appuie. Appuyé par Madame Berthold. Et enfin, le projet de règlement 1200-129, modifiant le règlement 1200 de zonage et de lotissement dans la ville de Sherbrooke, dans les zones N1531 et H1532 rue Wellington Sud. Je le propose. Monsieur Boutin. Je vais l'appuyer, madame. Appuyé par madame Karine Godbout. Donc, c'est juste expliquer, madame la présidente, que oui, c'est la suite de la semaine passée. Là, c'est la propriété des Hells Angels qu'on zone en propriété, en zone de conservation. Puis moi, j'aimerais simplement ajouter dans ce dossier-là qu'il a été dit dans la place publique qu'on pourrait revenir sur un zonage pour le mettre résidentiel, mais tant qu'à moi, quand on fait le geste de mettre un terrain en zone de conservation, c'est pas pour le dézoner quelques années plus tard si la situation a changé. C'est vraiment pour respecter nos objectifs de préservation de nos milieux naturels. Merci. Merci. Résolution PPC moi. Donc, le second projet de résolution d'un PPC moi numéro 66 dans la zone H0832 sur le boulevard René Lévesque. Je déclare mon intérêt, madame la présidente, parce que je suis copropriétaire d'une entreprise. J'ai une promesse d'avance en faveur de M. Pierre-Luc Morin là, sur ce terrain-là, mais il n'y a pas de conditions particulières par rapport au zonage, par contre. Parfait. Donc, proposé par Mme Annie Godbout. Appuyez. Je l'appuie. Par Mme Danielle Berthold. Avis de règlement et dépôt de projet de règlement, en commençant par l'avis du règlement et dépôt du règlement numéro 1-150. Prenez avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption le règlement numéro 1-150, modifiant le règlement numéro 1 de la ville de Sherbrooke de manière à interdire le virage à droite sur feu rouge aux approches de certaines intersections en tout temps, entre 7h et 18h pour certaines autres intersections, pardon. Prévoir l'installation de panneaux d'arrêt à toutes les approches de certaines intersections. Prévoir l'installation de la signalisation appropriée sur certaines rues à sens unique. Prévoir de nouveaux passages pour écoliers et pour piétons à certains endroits. Prévoir l'installation de la signalisation appropriée afin d'interdire l'accès à certaines rues. Interdire la vitesse à 30 km/h de 7h à 17h du lundi au vendredi de septembre à juin pour certaines rues. Interdire le virage à gauche sur certaines rues. Interdire ou limiter une certaine durée de stationnement en bordure de rue sur certaines rues à certaines périodes. Interdire le stationnement de nuit du 15 novembre au 31 mars sur certaines rues. Modifier le secteur assujetti au permis de stationnement MB3. Remplacer la politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable adoptée par le conseil d'administration pardon, du CIUS de l'Estrichus annexé au règlement pour en faire une partie intégrante. Merci, Mme Berthold. Avis du règlement et dépôt du projet de règlement 1300-10, modifiant le règlement 1300. Prenez avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour étude et adoption le règlement numéro 1300-10
modifiant le règlement numéro 1300 de manière à remplacer le plan identifiant le réseau artériel et local des rues et routes de la ville annexée au règlement pour en faire une partie intégrante, modifier la définition d'une aide à la mobilité durable et celle d'un appareil de transport personnel motorisé, modifier les dispositions applicables aux chiens constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique, notamment afin de modifier le délai accordé à un gardien pour euthanasier un chien déclaré dangereux et celui pour fournir ses observations écrites et produire des documents suivant la réception d'un avis d'intention de la ville quant à la décision et aux ordonnances à rendre. Prévoir que l'autorité compétente peut saisir le chien dans l'attente d'un examen sommaire et que la SPA de l'Estrie peut émettre des recommandations suivant cet examen. Prévoir des normes de garde temporaire et l'amende minimale lorsqu'un chien est considéré à risque et déterminer dans quelle situation le chien est considéré à risque. Abroger la contre-expertise obligatoire par un médecin vétérinaire suivant l'évaluation comportementale afin de donner une plus grande latitude au gardien du chien. Abroger le dépôt de sécurité exigé par le service des sports, de la culture et de la vie communautaire préalablement à la signature d'un contrat de location et à la location de plateaux d'hiver. Merci, M. Jean. Maintenant, adoption de règlement. Madame Bergeron, excusez-moi. Oui, Madame Berthol, allez-y. Merci. Concernant l'aide à la mobilité motorisée, bien des fois, on se fait interpeller concernant les quadriporteurs, les triporteurs, dans la façon dont ils circulent dans les rues, sur les trottoirs et tout ça. Alors, au comité de sécurité publique, prochainement, on va regarder cet aspect et on va essayer aussi de bien définir ce qu'est la mobilité motorisée, l'aide à la mobilité motorisée, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont interprétées de façon différente. Donc, avec le comité de sécurité publique, on vous reviendra avec ça probablement au retour des fêtes. Merci. Merci. Alors, on va continuer avec l'adoption des règlements, en commençant par le règlement 1-149, Madame la greffière. Oui, donc ce règlement rend gratuit le stationnement dans les espaces de stationnement tarifés qui sont situés au centre-ville et sur la rue Beauvune-Sud à certaines heures pendant la période des fêtes 2020-2021. Je propose. Mais je l'appuie. Donc, Madame L'Espérance, appuyée de Madame Berthol. Monsieur Jean. Oui, je fais question d'être cohérent avec ma position de la semaine passée. Je vais enregistrer ma dissidence. Monsieur Boutin? Même chose pour moi, Madame la Présidente. Fait. Ça va, Madame la greffière? Oui. Règlement numéro 1134-2, Madame la greffière? Oui, j'arrive. Donc, ce règlement vise à augmenter le montant de l'emprunt à 1 351 600. Un emprunt par obligation municipale assurera le financement du projet et le remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles se fera selon la cédule de la dette sur 20 ans. Ce règlement devra être soumis à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais le proposer, Madame la Présidente. Monsieur Marc Deneau. J'appuie. Appuyé par Mme L'Espérance. Et enfin, le dernier, le règlement 1183-1, Mme la greffière. Ce règlement vise à abroger le règlement numéro 1183. Ce règlement devra être soumis à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose. Monsieur Claude Charron. Appuyé. De Monsieur Pierre Havard. Alors, on serait à la période des messages des membres du Conseil, en commençant par M. Claude Charron. Pas de message, madame. Merci. Bonne soirée. Parfait. M. Tremblay. Oui, alors, merci. Vous savez, moi, je vais prendre mon 3 minutes pour revenir sur les deux citoyens de mon district qui ont pris la peine de nous poser des questions ce soir. Alors, évidemment, c'est pour vous que je travaille. Alors, ça fait plaisir de vous répondre peut-être un petit peu plus en détail et de vous donner ma position personnelle. Si je commence par M. Martin concernant le parc canin dont vous avez parlé. Effectivement, au niveau de l'arrondissement, je dirais que ça fait 3 ans qu'on parle que le sujet revient sur la table là,
assez fréquemment. Par contre, est-ce qu'on en a fait assez jusqu'à date? Je pense qu'on a laissé peut-être un petit peu traîner le dossier. Je vais prendre ma partie du blâme là-dedans. Simplement vous dire qu'à partir de maintenant, je vais m'assurer qu'on va regarder toutes les possibilités qu'il y a pour faire quelque chose justement au parc central. On l'a dit, au niveau des services, il y a quand même des choses qu'il faut respecter et on essaie toujours de bien faire les choses, à savoir, bon, bien, on ne veut pas nécessairement déranger non plus les voisins, les chiens vont être excités, vont peut-être plus japper et tout, mais je vais aller sur le terrain, il y a sûrement des solutions. Je suis quelqu'un de solution, donc je vais la chercher à partir de maintenant. Et puis, je vais un peu, si on veut, prêcher un petit peu plus pour mon district. On ne savait pas trop où mettre ce parc canin-là, mais étant donné que vous êtes venu ce soir, et puis je sais pertinemment aussi que vous avez travaillé à rencontrer des gens, etc., etc. Alors, c'est à mon tour d'en faire ma part, et vous pouvez être assuré que je vais parler très sérieusement à nos services pour être en mesure de trouver une solution. Je souhaite que j'aurai le temps de le faire avant la fin du mandat, mais soyez assurés que je vais tout faire en mon possible pour le réaliser, si c'est possible de le faire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les résidents, résidentes, citoyens de la rue, des riverains, vous avez nullement besoin de me convaincre avec l'état de votre rue. Je n'appelle pas ça une rue. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, par exemple, puis ça me fâche un peu, puis je vais vous le dire, parce que dans la réponse qu'on vous a donnée ce soir, on vous a dit aussi que en 2017, on avait ausculté nos rues, puis en 2020, on ausculte nos rues encore. Alors, tout ça pour dire que cette année, là, on va prendre à peu près 200 000 $ du budget municipal pour réausculter nos rues, alors qu'en 2017, on savait très bien qu'on en avait des dizaines de kilomètres à faire qui étaient déjà identifiés. On n'a rien fait à date. Moi, le 200 000 $ là, j'en aurais pris une partie. Puis oui, j'aurais fait votre rue, puis ça aurait été pas mal plus pertinent et puis intéressant pour les gens. Si je reviens pour les propriétaires de la rue des Riverains, pas des farces, là. Ils sont 34 ou 35. Leur rue au complet, les gens se sont donné la peine d'écrire leur montant de taxes municipales. On parle de 192 000 et quelques centaines de dollars. Ça, c'est tout près de 6 000 $ par citoyen. Qu'est-ce qu'ils ont, ces citoyens-là, ce service chez eux? On ramasse leurs poubelles. Est-ce que les services de policiers vont là à tous les jours faire des rondes? Non, c'est pas vrai. Puis je reproche rien parce que c'est des secteurs plutôt quand même tranquilles là-bas. Mais à quel moment on va décider de mettre les argents aux bons endroits? Il faut faire les auscultations, là, on n'a pas besoin d'auscultations. Ce que ça prend, c'est du gros bon sens. Le gros bon sens, là, c'est d'arrêter d'ausculter. On les connaît toutes les rues qui sont démolies. Toute la gang. Depuis 2017, depuis 2010, il y en a énormément. Alors, mon engagement, ce que je vais faire, puis le seul endroit où j'ai peut-être un petit peu mon mot à dire, c'est peut-être de changer une rue qui est peut-être moins maganée qu'une autre, puis les changer. Puis c'est à peu près tout ce que j'ai le droit. On vous a répondu que votre rue n'est pas sur la liste. C'est vrai qu'elle n'est pas sur la liste. Mais là, il faut mettre plus de sous au niveau de la ville. Puis c'est pas compliqué, j'ai fait aussi un sondage avec mon groupe des 100, pour ceux qui le connaissent. On a beau s'imaginer que les temps changent, puis les gens veulent plus de services, puis ils veulent plus de ci, puis de ça, là. Mais il y a 75 % des gens qui ont répondu à mon sondage qui ont dit que la priorité numéro un, c'était l'état de leur rue. À quel moment on va les entendre, ces gens-là? Puis la rue des Riverains, encore une fois, il me reste ça un an. S'il y en a deux, trois qui se font dans mon district l'année prochaine, je ne le sais pas, mais soyez assurés qu'elle va être dans celle que je vais privilégier. Merci. Merci. Monsieur Pierre Havard. Merci, Madame la Présidente. Pas de message ce soir. Madame Annie Godbout. Merci, Madame la Présidente. Oui, je voulais juste ajouter ma voix là, que c'est compliqué d'avoir des parcs canins à Sherbrooke. Là. On en convient, ça fait plusieurs fois qu'on ramène ce dossier-là. Il me semble que ça serait bien qu'on puisse promener nos chiens à pied puis se rendre à un parc pour pouvoir les laisser loose puis qu'ils puissent s'amuser. On vient toujours d'une campagne électorale, on voit à quel point qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chiens. Puis je pense qu'ils méritent d'avoir leur aire de jeu aussi puis que de ne pas avoir tout le temps à les
les mettre en voiture pour se rendre dans le fin fond du bois, là, il me semble qu'on pourrait essayer de trouver des façons de faire. Je tenais encore à Trois-Rivières, pas Trois-Rivières, mais à Granby, là, qui c'est tout près des résidences. Je ne sais pas à quel point qu'ils ont des problématiques, là, mais on ne peut pas tout le temps les mettre très, très reculés. Nos parcs à chiens, on veut essayer vraiment de trouver une dynamique plus intéressante. Donc, ce n'était pas le message principal que je voulais souligner aujourd'hui. Je voulais en fait parler d'un événement important qui a lieu cette semaine, du 20 au 27 novembre, qui est la semaine charmoise des rencontres interculturelles. C'est la 7e édition, évidemment, cette année, qui sera toute virtuelle à cause de la pandémie. Le comité organisateur a travaillé extrêmement fort, s'est creusé les méninges pour vraiment trouver des activités intéressantes. On a fait appel aux organismes. Je tiens à remercier les organismes qui ont fait preuve de créativité. Il y a vraiment une belle variété. Vous pouvez aller sur le site web de la ville qui est sherbrooke.ca/SSRI pour accéder directement à tous les événements. Alors, vous pouvez trouver des activités, puis même on en a vu circuler un peu sur les médias sociaux, là, mais ça peut être en lien avec l'intégration en emploi, découvrir l'art et la culture brésilienne ou encore de la Côte d'Ivoire. Il y a pour la diversité ce week-end aussi, virtuel. Tout est en mode virtuel. Alors, on parle de frontières abolies, culture enrichie. C'est la thématique qu'on utilise depuis 7 ans qui est toujours encore vraie, toujours aussi vraie. Et j'entendais aujourd'hui, j'ai participé à l'annonce de l'Université Monde aujourd'hui, l'Université de Sherbrooke, hein, qui se tourne aussi beaucoup vers l'international et l'interculturel. Et on parlait de frontières. Puis la première frontière qu'on doit se préoccuper, c'est notre frontière intérieure. Parce qu'on en a tous des préjugés, des biais. Mais quand on prend le temps de s'analyser, de regarder, c'est peut-être un premier geste à faire. Je trouvais ça intéressant lorsque j'ai entendu ça aujourd'hui. Je vous le partage. Et participer à 1, 2, 3 activités, c'est en ligne. Vous pouvez faire ça tout de votre salon. Et je suis certaine que vous pouvez faire des belles découvertes. Vous m'en reparlerez à la prochaine séance. Merci. Merci. Monsieur Deneau. Merci, Madame la Présidente. En lien avec le commentaire de la citoyenne, Madame Marie-Claude Thibodeau, qui m'a adressé le message qui a été lu par Monsieur Gosselin. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Mme Thibodeau en lien avec les problématiques que dans le secteur du boulevard Lionel-Groulx, aussi Prospect et Duvernay. Juste un rappel, qu'en septembre dernier, on a eu une étude de circulation qui a été déposée au conseil municipal, plutôt en comité de planning public, relatant les problématiques au point de vue circulation. Et parmi les actions, on a parlé, oui, tout à l'heure, de la synchronisation des feux au coin de Lionel-Groulx et Portland. Aussi, Laure Conan, il devrait avoir l'implantation d'un feu de circulation, mais malheureusement, un peu trop tard, ça va aller en 2021, sûrement en fin d'année. Et j'ai adressé un commentaire il y a 2 semaines, à savoir qu'on doit être capable de trouver une solution temporaire de mettre un feu qu'on voit sur des chantiers de construction. Je n'ai pas eu de retour. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va être créatif et qui va être en mesure de le faire. Mais entre-temps, pour réconforter Mme Thibodeau, nos services ont déposé à l'exercice budgétaire un projet en lien avec de prioriser une étude de dédoublement du boulevard Lionel-Groulx. Il faut se rappeler que quand il a été conçu, il était fait dans une vision de le doubler. Donc, suite à l'exercice budgétaire, on est en mesure de répondre de façon positive ou négative à ces préoccupations et les miennes. Merci beaucoup. Merci. Madame Berthol. Je n'ai pas de commentaire, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Lachance. Pas de message non plus. Madame Beaudin. Oui, 2 choses. Premièrement, on le sait, il y a des problèmes de circulation dans le quartier Mi-Vallon. C'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler depuis le début du mandat. Jusqu'à maintenant, je trouve que l'attention a beaucoup été portée par rapport aux problèmes de circulation qui sont à l'ouest du boulevard Mi-Vallon, notamment sur les rues Marigny et compagnie.
Mais il faut savoir qu'il y a un énorme problème qui touche les rues à l'est du boulevard Mi-Vallon, parce que c'est possible à partir du boulevard Mi-Vallon de se rendre au boulevard industriel en prenant les rues Marcel Marcotte, Malherbe, Yamaska, Mégantic, même Frémagogue et Barton. Et ça permet donc de relier à l'intérieur d'un quartier résidentiel le boulevard industriel au boulevard Mi-Vallon. Et c'est un trajet qui est beaucoup utilisé et sur lequel il n'y a pas de trottoir, à part un mini-bout sur Barton, mais sur la rue Mégantic, qui est une des plus longues, sur la rue Marcel Marcotte et sur Malherbe, il n'y a pas de trottoir. Alors, c'est extrêmement dangereux de circuler à pied dans ce secteur-là. Et je trouvais ça vraiment important de ramener ça, parce que là, le dossier du boulevard Mi-Vallon est supposé nous être présenté là, au prochain conseil, en tout cas très bientôt. Je voulais en profiter pour inviter M. le maire à venir avec moi marcher du boulevard industriel coin Barton jusqu'au boulevard Mi-Vallon coin Marcel Marcotte par le trajet dont je viens de vous parler. Donc, M. le maire, l'invitation, considérez-la comme étant officielle. On trouvera un moment qui vous convienne à vous et à moi. On ira, mettons, de 4h30 à 5h30 marcher, si vous le souhaitez, si vous acceptez, afin de vraiment avoir une véritable connaissance là, de ce qui se passe sur le terrain à l'heure du soir. Alors, l'invitation est lancée, Monsieur le maire. On va être en contact, mon équipe, avec la vôtre, afin de trouver un moment qui vous convienne, en espérant que vous acceptiez, parce que je sais que vous étiez déjà déplacé vous-même pour aller constater le problème sur Marigny. Alors, voilà pour l'autre côté. Aussi, je voulais remercier Camilla Gélinec, secondaire 5 de l'École du Fort, qui a fait une belle lettre ouverte dans la tribune par rapport, pour nous remercier comme conseil municipal par rapport à l'installation d'une piste cyclable sur la rue Belvédère Sud. Alors, je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance de cette lettre-là, chers collègues, mais c'était très bien écrit. C'était vraiment des beaux éléments qui étaient apportés par Mme Gélinec. Et je voulais insister sur deux choses qu'elle a mentionnées dans sa lettre qui sont extrêmement pertinentes. Premièrement, il faudrait absolument ajouter des bollards pour cette piste cyclable-là afin d'en augmenter le niveau de sécurité puis de bien délimiter l'espace réservé aux vélos et l'espace réservé aux voitures. Puis ça devrait en fait être automatique quand on a une piste cyclable sur la chaussée, sur une rue artérielle. On devrait toujours avoir des bollards par mesure préventive de sécurité pour bien distinguer les espaces de chacun. Et je termine en disant aussi qu'elle mentionne que ce n'est pas pratique pour les vélos d'avoir à monter sur le trottoir à chacune des intersections pour, après ça, traverser avec les piétons. C'est à la fois pas fluide et surtout dangereux parce que les automobilistes ne s'attendent pas nécessairement à ce que le vélo fasse ça. Alors, voilà, ben merci à Mme Gélinec et espérons que ces demandes seront entendues. Merci. Monsieur Paul Jeng. Monsieur Jeng, votre micro, votre... Oui, allez-y donc, M. Jeng. Dites-moi que c'est la première fois que ça... Oui, voilà. Merci. Ça va. Allez-y. J'ai reçu depuis que je suis élu plusieurs commentaires, plusieurs plaintes des gens du secteur de la rue Indiana. Et j'ai tenté en vain de pousser certains dossiers. Alors, j'ai demandé... récemment au service des infrastructures urbaines réanalyser la possibilité d'installer des feux aux intersections du boulevard de l'Université et de la rue de l'Indiana. En attendant, ça ne coûterait pas cher d'y installer des arrêts stop, comme on l'a fait sur le boulevard de Lionel Groulx à l'intersection de la rue Laure-Conant. Il s'agit d'une intersection névralgique où plusieurs résidents habitent le secteur des rues de Trois-Rivières, de Terrebonne, de Toulon, de Tourville, de l'Illinois, de l'Indiana, qui n'ont pour seul accès que le boulevard de l'Université.
sans compter les résidents du secteur des rues Émilienne-Dubé, Gagnon, Henri-Mongeau et de la rue de la Rivière-Magog. Il y a plusieurs voitures, marcheurs, cyclistes et écoliers qui doivent emprunter cette intersection. J'ai également demandé qu'on fasse le tour au niveau de la sécurité, des feux, des lumières, des arrêts stop, des no parking. Plusieurs écoliers sont là et il y a vraiment des enjeux de sécurité très importants. Donc, j'attends avec impatience les résultats de cette analyse. J'ai également demandé au même service d'analyser l'implantation d'un passage pour piétons sécuritaires à l'intersection du boulevard de l'Université, de la rue Imelda-Lefebvre et Papineau-Couture, pour que les piétons et familles puissent traverser en toute quiétude pour rejoindre, entre autres, le parc Roger-Gingue. Alors, j'attends avec impatience l'analyse de ces deux mandats. J'aimerais aussi terminer en disant qu'il y aura du ski au Mont-Bellevue cet hiver et donc vous pouvez réserver vos billets, c'est quand même limité. Vous pouvez aller sur le site de RPMB ou sur le site de la Ville de Sherbrooke. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Gingue. M. Boutin. Oui, donc simplement rappeler là, que même si on est en zone rouge, nos infrastructures sportives restent ouvertes. Donc, dans nos arénas, ça va être du patin libre là, sur le site internet. Tout est bien indiqué. Donc, on vise la pratique libre. Il y a aussi la piscine de l'université qui va être en pratique libre aussi. Évidemment, il faut réserver d'avance. Le centre récréatif, les terrains de tennis restent ouverts. Donc, on joue à un contre un. Évidemment, les vestiaires sont fermés. Dans les prochains jours, là, on va annoncer la réouverture des terrains de racquetball et tout ça dans la troisième partie au centre récréatif de Rock Forest. Donc, suivez l'actualité. Mais bref, on comprend une situation difficile et je pense que pour l'ensemble des membres du conseil, ce n'est pas une solution que de fermer nos infrastructures sportives, surtout qu'on approche de l'hiver et que la période risque d'être difficile en termes d'activité. Donc, juste rassurer la population là, qu'on est bien conscient de cela et c'est pour ça qu'on va rester ouvert au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci, Mme Karine Godbout. Merci, Mme la Présidente. Trois petites choses, peut-être pour les personnes qui habitent dans Ascot. C'est l'Assemblée générale annuelle de la table de quartier Ascot en santé. C'est demain, mardi le 17 novembre. Ça se passe, bien sûr, en visioconférence. Donc, ça va être sur la plateforme Zoom et c'est à partir de 12h45. Donc, moi, je vais y être. C'est une bonne façon d'échanger et de savoir un peu tout ce qui se passe dans le quartier. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site d'Ascot en santé ou venir voir sur mon propre Facebook. Deuxième chose, je voulais aussi féliciter et remercier Camilla pour la lettre ce matin. Donc, en fait, on est plusieurs élus, dont M. le maire, M. Boutin, Mme Berthol, M. Deneau, moi, qui avaient reçu le courriel de Camilla. Donc, ça a été bien de voir cette lettre-là ce matin avec ce pourquoi, en fait, toute cette piste-là est bonne en soi, dans le sens où c'est une belle connexion pour le district et le secteur d'Ascot avec le centre-ville. Donc, Mme Baudin a bien souligné là, les éléments, le bollard, les trottoirs, donc les éléments qui pourraient en venir à bonifier, en fait, toute la sécurité au niveau de cette piste-là. Donc, merci beaucoup pour tous ces beaux commentaires, Camilla. Et en terminant, la semaine dernière, on a été invité par Défi Polytech pour le lancement d'une solution pour recycler les vieux appareils ménagers et les climatiseurs. Donc, cette annonce-là, la semaine dernière, c'était pour la création d'un réseau interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers, le RIVA. Donc, en fait, on a ça tout près de chez nous. L'atelier s'est créé à Quaticook, là, dans l'usine de Défi Récupère. C'est la chaîne de démantèlement qui est destinée, en fait, à tirer le maximum des composantes des vieux climatiseurs. Et ça sert d'un modèle, en fait, pour l'ensemble de l'industrie du recyclage pour l'électroménager. Donc, c'est appelé à se développer considérablement, là, étant donné l'entrée en vigueur là, des nouvelles responsabilités élargies des producteurs. Donc, en terminant, en fait, donc, toutes mes félicitations pour ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sont en fait des bonnes pratiques parce qu'on sait que les gaz réfrigérants, ces gaz-là,
là, c'est vraiment concrètement, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, on est content d'avoir un savoir-faire là, qui se développe à proximité. Donc, ça va nous permettre de gérer nos matières résiduelles et ces types d'éléments-là à proximité de façon responsable, on doit le dire. C'est aussi des emplois, c'est aussi une expertise et c'est surtout l'économie sociale et l'économie circulaire qu'on est en train de mettre en place. Donc voilà, très belle initiative que je salue. Je lève mon chapeau à Défi Polytech et à Défi Récupère. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Rémi Demers. Oui, d'ailleurs, je m'adresse à ma collègue Godbout. C'est vrai, c'est une entreprise d'économie sociale vraiment exceptionnelle, Défi Polytech. Et le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale, d'ailleurs. Moi, mon mot aujourd'hui, c'est pour mentionner que vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'en cette période de pandémie, les lignes d'écoute téléphonique à travers le Québec sont très sollicitées. Et c'est le cas, on a la chance à Sherbrooke d'avoir une ressource qui est Secours Amitié Estrie. Écoutez, c'est près de 900 appels par mois. Et puis, si je parle de Secours Amitié aujourd'hui, où il y a près d'une cinquantaine de bénévoles là, qui sont disponibles à la ligne d'écoute, c'est que, oui, beaucoup d'entre nous on peut avoir besoin de Secours Amitié, mais là, Secours Amitié a besoin de nous. Vous savez, ordinairement, ils tiennent un tirage voyage et dans le contexte, ils ont plutôt choisi de s'adresser tout bonnement à la population pour une campagne de financement avec un objectif de 30 000 $. Alors, écoutez, je lance un appel à la générosité de mes collègues du conseil, des fonctionnaires aussi, les employés de la ville. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très généreux, mais la population en général aussi, de façon à aider Secours Amitié parce qu'ils ont vraiment besoin de ces sous-là qu'ils recueillent habituellement en campagne d'autofinancement. On peut donner en ligne, très facile, sur Internet, mais aussi tout bonnement en faisant parvenir un chèque à l'organisme. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Madame L'Espérance. Je n'ai pas de message. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Bien, je vais faire un petit message bref. On aurait pu le faire la semaine dernière, mais je l'ai oublié. On pourrait féliciter nos voisins, c'est-à-dire les États-Unis, pour l'élection de M. Joe Biden et aussi particulièrement de la première femme vice-présidente, noire aussi. Et je dirais que si cela peut inspirer les jeunes filles à pouvoir justement espérer relever toutes sortes de défis, pas seulement se lancer en politique, mais s'ils ont le goût de le faire, bien sûr, mais que ce soit devenir un artiste, que ce soit devenir une sportive d'élite, un ingénieur, un médecin, une chercheuse, peu importe. Donc, avec des modèles comme ceux-là, ben c'est possible effectivement d'y croire et de motiver toutes celles qui ont envie justement de relever ce genre des défis. Donc, félicitations à Mme Kamala Harris, qui a d'ailleurs, comme vous l'avez sans doute écouté vous aussi, fait une partie de son parcours au niveau d'une école secondaire à Montréal. Alors, là-dessus, je cède la parole à M. le maire. Alors, M. Jaime vient de me faire rire parce qu'il dit que c'est le plus beau discours de la campagne. Alors, c'était un petit moment cocasse. Alors, bonjour à tous. Oui. Merci beaucoup. Le service des communications, Madame la Présidente, me confirme qu'il y a eu des modifications qui ont été faites sur le site web de la Ville de Sherbrooke concernant le sujet du dossier, dans le fond, des grandes fourches, pour que la population puisse prendre connaissance déjà, peut-être visualiser le tout avant même la rencontre du 9 décembre prochain, avec une soirée virtuelle. Alors oui, on ne pourra pas le faire en direct, hein, ça sera encore en virtuel, mais de bon échange, je suis persuadé là, que ça va être grandement intéressant de vous entendre. Je veux juste revenir un peu sur les propos de M. Tremblay, qui a entièrement raison en passant au niveau de nos routes. Oui, il y a plusieurs routes qui sont extrêmement maganées, là, on le sait, dans plusieurs secteurs de la ville. Alors, on a un territoire de plus de 366 km². Est-ce qu'on en viendra à bout? On le sait que nos services sont venus nous voir, qu'il y avait énormément d'investissements à mettre un peu partout à travers la ville. Mais on doit quand même se féliciter qu'au cours des trois dernières années, on a pratiquement doublé la part de la portion ville, là,
qu'on a mis sur notre asphalte actuellement. Mais ça va un petit peu plus loin parce que là, on parlait peut-être des investissements qui étaient mis quand même considérables. On parlait de 200 000 $ pour les vérifications, soit 2017-2020. Mais c'est des vérifications qui ne sont pas seulement pour la surface, mais bien évidemment en dessous, en profondeur, afin de cibler les bonnes rues qu'on devra faire dans les prochains mois, prochaines années. Alors, ce n'est pas une histoire de deux semaines, un mois, deux mois, c'est sur quelques années. Alors oui, M. Tremblay a entièrement raison que certains secteurs qui sont peut-être plus en mauvais état que d'autres. Alors, ça sera regardé au niveau des budgets aussi de chacun de vos arrondissements, peut-être de vous prononcer sur certaines rues qui seront faites éventuellement avec les services. Rapidement, alors, il y a la collecte de la 80e édition, et c'est pas rien, 80e édition de la campagne de joie des pompiers de Sherbrooke, débutée hier, on le sait. Alors, de nombreux citoyens et citoyennes ont jusqu'ici eu la générosité de faire des dons de leur article de sport usagé. C'est ce qui était demandé, d'ailleurs, dans une vidéo hein, qui a bien circulé. Alors, si jamais vous aussi, vous voulez contribuer pour des enfants dans le besoin, puissent en profiter d'ailleurs. Il y a une autre journée de collecte qui est organisée à la caserne du boulevard du plateau Saint-Joseph le 29 novembre prochain. Je voulais quand même le mentionner, hein, c'est une belle collecte pour aider nos enfants. Alors, si vous avez la chance de pouvoir sortir des jouets là, que vous avez peut-être à donner, mais ça sera le temps. Hein, pourquoi pas aider une fois de plus cette année les gens? On sait que c'est une année beaucoup plus difficile. On va tous passer au travers ensemble. On va se soutenir les uns les autres. Je continue à le dire. D'ailleurs, s'il y a des commerçants, des commerçantes qui m'entendent actuellement, n'hésitez pas. On a toujours de l'aide au niveau des entreprises qui est disponible. Je vous invite à aller sur le site de ProGestion Estrie Commerce Sherbrooke pour avoir évidemment de l'aide ou puissiez peut-être de faire une demande d'aide. Alors, on ne se décourage pas. Je pense qu'il faut se soutenir les uns les autres, comme je l'ai bien dit auparavant. C'est comme ça qu'on va bien s'en sortir et il y a encore des fonds disponibles. Alors, c'est important que vous puissiez demander de l'aide si jamais vous en avez de besoin. Madame Baudin, j'ai bien pris connaissance là, de ce que vous avez dit, d'aller prendre une marche dans certaines rues. Alors, j'adore prendre des marches dans certains secteurs. De toute façon, je verrai avec mon horaire ce qui est possible de faire. Je me promène régulièrement. Alors, vous avez mentionné les rues. Je pourrais également me rendre directement aux besoins. Alors, merci beaucoup tout le monde. Au plaisir de se revoir dans deux semaines. Merci. Propose la levée, Madame la Présidente. Monsieur Pierre Havard propose la levée de l'Assemblée. Bonne fin de soirée à vous tous et toutes. Merci. Merci. Au revoir.